oh i think ladies and gentlemen i think that we're live i think hopefully we're live i'm just going to check that we're live across the platforms uh on uh youtube and on hopefully we're live. yes we are that's uh on, on youtube hello youtube uh you are live hello uh potentially facebook as well if facebook is here let me know Euh comment ça va les amis Salut. il euh, y a des gens ah, il y a des gens sur Twitch qui sont là déjà. Donc ça ça fait plaisir. Hello Fabrice, Tom Euh je sais pas comment prononcer ce ténon, mais salut. Euh, salut French Cheese sur YouTube et est-ce qu'il y a des gens sur Facebook Et s'il n'y a pas des gens sur Facebook, je m'en fous. Euh <laughs> Parce qu'honnêtement, techniquement. Ah, je suis live sur Facebook aussi. Yes, apparemment, je suis là sur Facebook. Oh Bonjour, dickheads Salut les Français uh, Cet épisode va probablement majoritairement être en français. Uh, English speakers, the show is going to be in French today. Again, if you want subtitles to the show, please come back in a few days by Friday the 24th. The 24th. Uh, Friday, Saturday. Basically, by the end of the week, you will have English subtitles, les Français dans la place. J'espère que ça va bien. Euh, si vous êtes nouveau au Happy Hour Live, le concept c'est que bah je bois un verre avec un guest tous les lundis à 20h heure française. Et du coup, on, on chatte avec vous. Vous êtes là, euh, par exemple, Nathalie, je te vois sur Facebook, ici. Si, si, il y en a, ça fonctionne. Euh, par exemple, euh, euh, Carlos Camejo, on, on, on YouTube, he's in the house, salut. Euh, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis, vous êtes là, donc on, on, on parle avec vous, avec mon guest. Euh, et ce ne serait pas peut-être le temps de, de, de présenter mon guest. Ladies and gentlemen, here we go. Please, welcome to the stage, my guest, Mr. Reda Saoui! <rités> en <empêche> <padpole> <rités> Enchanté! Ah, t'es à, à fond toi, t'es. Ouais, bon, au niveau du, R, du roulement de R, ouais, je suis très fort. Ouais, ouais. ouais on, peut le, on peut faire. Bah, un ça, ça un... c'est ton côté arabe peut-être. Peut-être! Parce, peut parce qu'il qu y a beaucoup de roulements de R ouais, dans, sûrement. dans la langue arabe. Mais tu l'as bien, t'as aussi le. <rités> ça, c'est parce que j'ai appris un peu l'espagnol. <rités> Et en espagnol, ils font euh, beaucoup de. Perro! Caballero! Caballero! Mais les français, ils sont là. Ils y okay arrivent pas. C'est clair, c'est clair, mais je pense que c'est une question d'habitude. Hein. C'est une question d'habitude. Bien hein. sûr. Ouais. Et je pense que le fait que je parle arabe, je peux parler plusieurs langues à cause de ça. Voilà, je voulais juste mentionner ça. Yes, donc tu t'es déjà présenté comme arabe Ou c'est moi qui t'ai présenté comme C'est toi même. qui m'as présenté comme arabe que, euh, Alors normalement sur le Happy Hour Live Ce que je demande aux guests C'est euh, de se présenter pendant que j'aille préparer les boissons Et ben bah, Reda il est venu un peu plus tôt Parce qu'on bah, travaille ensemble avec la même production exact. Et donc du coup on a déjà commencé euh, les verres Donc j'ai pas besoin d'aller chercher les verres Mais est-ce que tu veux te présenter quand même pour les gens Qui tu es, yes. d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie Why are you here Yes, euh, mon nom est Reda Saoui Je suis le partenaire de monsieur Paul Taylor d'Outre-mer. Je viens du Québec. Euh, voilà. Et je suis venu ici euh, pour les shows, quoi. Pour jouer. Voilà. J'ai suivi ma copine. Et puis, euh, je suis artiste, improvisateur, euh, auteur, euh, comédien. Et voilà. Ah voilà. ouais, tu te la racontes un peu quand même. Ah ben oui. Fou. Ah, je fais plein de <laughs> trucs. Euh, garde tout mon travail. Euh, euh, et apparemment, il y a peut-être ta maman qui nous regarde Sûrement sûrement salut maman mais est-ce que tu as partagé le lien je suis même pas sûr que tu as partagé j'ai pas partagé le lien donc comment que... elle saurait en fait que mais ma mère elle, elle suit tout <laughs> je te le jure elle suit tout est-ce que partage... la maman elle sait est-ce qu'elle sait comment commenter et tout ça elle sait je sais pas je sais pas à, à elle s'appelle comment ta maman elle s'appelle Farida. Farida Farida si Farida. tu es en train de regarder ça faites nous signe sur euh, sur les commentaires euh, et si t'es pas là bah salut à Farida a posteriori genre euh, après le live live euh... <laughs> <laughs> Donc, euh, un grand bonjour. T'as des gens de la Pologne Ah, bah, Marek Zanzur, <que> Incroyable. Yankzur, <'es algo que noisiente> j'ai aucune idée comment prononcer ton nom de famille, euh, Marek. Mais un grand bonjour de la, P... P... De la Pologne. De la Pologne. J'arrive <laughs> pas. La grave. Pologne. Il <laughs> <traumatisant> <rit> euh, y a Julie Belleville, Québec Power. Yes bruh, bruh. On, bruh. Est là, est on est là, si <laughs> on est là. On est là, tabarnak À t'es, Julie euh, Belleville euh, Je ne sais pas si elle-même, elle vient du Québec, mais euh, c'est fort probable. Ouais. Euh, et the Wonder Woman, elle dit « En fait, c'est moi la mère de Reda. <laughs> » C'est pas... pas clair. Euh... Soit ma mère est vraiment bonne pour hacker des comptes, ou soit c'est vraiment euh, faux. Elle est, elle est à fond… Euh, est-ce qu'elle est technologiquement euh, euh, apte? Je ne sais même pas si c'est un mot. Ça peut être un mot aujourd'hui. Ouais. Genre, est-ce qu'elle connaît la technologie et comment… Elle, elle connaît juste WhatsApp vraiment euh, <laughs> là, tout ce qui est technologie WhatsApp là elle est forte tu okay. vois là elle te partage des trucs incroyables ouais. mais sinon euh, je pense pas qu'elle est aussi forte que ça ouais elle est aussi apte que ça ouais je sais pas euh, une question de bleu marin ouais, bah 1968 qui dit donc en fait Reda Sawi il n'a pas voté aujourd'hui non malheureusement j'ai pas voté aujourd'hui il y a quoi comme vote aujourd'hui c'est les élections les, les élections, élections quoi fédéral euh, fédérales. Fédé donc attends donc euh, mais fédéral, vous avez pas, c'est pas un pays, c'est pas, c'est. T'as le Canada, t'as le pays, puis t'as provincial aussi. Ah donc vous appelez fédéral même si c'est pas euh, euh, un, un pays. Euh, comment t'appelles ça? Ouais, c'est un pays. Euh... Ça, en fait, ça fait, ça, ça appartient à la Reine encore. <laughs> oui, c'est un, une ancienne, <laughs> c'est uh, Commonwealth Country. Exact. Vous avez la Reine sur l'argent, mais fédéral pour moi c'était uh, vraiment États-Unis, uh, the federal, uh, what do you call it? a federal state? Je ouais. crois que c'est ça, un, un État fédéral. Ouais. Bref, merde, donc c'est des trucs régionaux, enfin ouais, pour les provinces Exactement. C'est pas pour voter le Premier ministre, là C'est pour. Je crois que c'est pour voter le Premier ministre, mais, mais honnêtement, ça fait tellement longtemps que je suis à l'extérieur du pays que j'ai pas vraiment suivi, malheureusement. Ok, Bleu Marin, c'est pour élire le Premier ministre. Shit, donc exactement. Euh, ju merci, Justin Trudeau, il va peut-être décor lycée Ça se peut, mais je pense que ben, les gens l'aiment, hein, Justin Trudeau. Il euh, y a Tiabing Chen, qui dit origine arabe, euh, accent québécois, meilleur combo. Ben merci, merci, ben c'est clair, on me le dit tout le temps. Mais ce qui est intéressant, moi je trouve avec ton accent, c'est que euh, c'est que c'est que on n'entend pas trop que tu es québécois. Enfin, bah, ça dépend. Il y a des moments où c'est québécois, mais c'est pas un accent québécois, québécois à fond. Ouais. Comparé bah, à par exemple ouais, Rowley. Rowley, euh, qui va se rejoindre euh, plus tard dans, dans la conversation, ouais. lui, je trouve que lui, il a, il a un accent vraiment québécois-québécois. Et toi, il y a du québécois dedans, mais il y a aussi du, du non-québécois. Euh, oui, il y a un mélange de plein de choses. Ouais, en fait, il y a vraiment un mélange de plein de choses, parce que vu que mes parents sont, euh, sont d'origine algérienne, mmh. donc euh, ils ont un accent fort prononcé français, toi. D'accord. Donc eux, donc... ils ont appris le français. Euh... Comme il, on le parle en France. Exactement. Okay. Et puis ben moi j'ai voilà j'ai flotté entre les deux, tu vois entre entre l'accent français et aussi euh, l'accent québécois. Donc je, vraiment mon accent c'est un mélange de plein de choses. Ouais. Ouais. Puis je pense que un peu s'est un peu dilué ici, mais euh, mais ça me manque parce que des fois en fait c'était bizarre parce que la dernière fois j'étais dans un sur une terrasse, tu vois et puis il y avait une québécoise qui était là qui me demandait une cigarette et puis j'ai vraiment pris mon accent québécois. Là, elle t'a dit, hey, peux-tu avoir une cigarette, s'il te plaît <laughs> Et toi, t'es as assisty de Coralie, j'en ai une là, là. <laughs> ouais. Oh, mais ça, m'avait vraiment fait plaisir parce que ça me manque, honnêtement. Et t'avais mon ami qui, qui, était comme, ok, mais t'as pas cet accent-là, tu vois Je suis comme, yo, je sais pas, euh, je sais pas pourquoi. Et tu t'adaptes à ton, entre guillemets, ton public. à, 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 à si t'es plus en France, ouais. bah, tu. tu Inconsciemment, ton action il va morfler. Inconscient, c'est inconscient, ouais. Et c'est un réflexe, tu te dis, mais. Et je le vois même avec mes amis français qui sont au Québec. Euh, eux euh, leur français devient un peu québécois tu vois. Mm. et lorsqu'ils parlent avec un français ils, ils retombent dans leur part, dans leur pattern français quoi. dans leur pattern là il est sorti là il est sorti là, il sort... là, ton pattern est -il. ça, ça c'est grâce à Julie c'est grâce à Julie Inès Langlois dit yes vive l'Algérie moi j'aime bien le, 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 le chant on Uh, yeah one two three, uh, ouais. c'est ça. Hein? One two three, ouais. vive l'Algérie. Ouais. Donc c'est de l'anglais. Il y a de l'anglais. Euh... Il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit euh, que tu dois parler anglais alors. Euh, non. Parce que tu disais par rapport à la langue, tu peux tu peux parler plusieurs langues parce ouais. que tu as ton. Ouais, mais moi je pense que j'ai été un peu flemmard euh, sur la langue anglaise parce que en fait je viens de ce qu'on appelle euh, un enfant de la loi de la loi 101. Et ouais. En fait, Attends, un enfant de la loi 101. De la loi 101. Alors la loi 101, je connais. Tu connais la loi 101 bah, j'ai vécu au Québec pendant un an. Je travaillais non. chez Apple dans un Apple Store, ouais, comme, comme on dit là-bas, un Apple agent. Store. Et du coup, euh, on nous a expliqué que pour les affichages ouais. euh, dans les vitrines euh, pour les trucs, euh, on est obligé. Donc, partout dans le monde entier, ça s'appelle l'Apple Store. the Apple Store. Euh, mais au Québec, en France, ça s'appelle l'Apple Store. Exact. Et au Québec, c'est obligé. On est obligé de mettre boutique Apple Store. Et on est obligé de mettre boutique avant parce que c'est du français. Parce que Apple Store, c'est pas français. Pareil avec le Starbucks. Ici, c'est le Starbucks. Là-bas, c'est le café Starbucks Coffee. Exactement. Donc, c'est un truc avec la langue où t'as pas le droit de mettre de l'anglais avant français. Exactement. Euh, c'est parce qu'en fait, euh... ben, après ça, je vais pas faire un cours d'histoire ici. <laughs> Mais ça, c'est vraiment lourd. <laughs> Mais euh, en fait, euh, les Québécois, en fait, c'est des Français, en fait, c'est des colonisateurs qui ont été colonisés. Mm -hmm. euh, et puis, ben, c'est ça. Après, euh, bref. Donc, il y a une protection de la langue française. Exactement. Et quand tu dis que tu es un enfant de la loi 101, ça veut dire quoi ben, En fait, c'est que dans les années 70, je crois, euh, ils ont instauré, euh, pour, euh, pour protéger la langue française, ils ont instauré comme quoi que, ben, tout doit être en français et que la langue du Québec euh, est le français avant tout. Okay. Donc euh, les cours d'anglais, moi quand j'allais à l'école primaire, c'était vraiment basic, C'était obligé, mais c'était très 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 basique Donc euh, moi j'ai été un peu flémard là-dessus, mais des gens okay. un peu comme moi qui sont de, de qui sont fils d'immigrants. Euh, la plupart parlent l'anglais tu vois. Ouais. Moi, mon anglais, je le, je le comprends parfaitement. Tu comprends parfaitement. Parfaitement. Mais euh, au parler, un peu ouais. moins. Exactement. Bah c'est ça, parce que c'est très English rare de trouver. My very terrible. Je dis tout le temps ça à Your tous English les. Your English is very terrible, but the accent is good. You've got a good ah, accent. Ah, thank you, thank you. Yeah, it's good. Uh, <laughs> it's a good question from Draz's detailing. Yes. C'est pas un vrai Algérien. J'ai pas vu de drapeau. <laughs> ah là là. Alors, parce que t'es <laughs> au courant Crasse. en France, les Français, enfin les Algériens ouais. français. Euh, moi ça fait 12 ans que je suis là, donc je connais le, le truc, mais que vraiment les Algériens, dès qu'il y a un truc, le drapeau algérien il ouais, sort... Ouais. Et puis, oh putain, on aurait dû mettre le drapeau algérien, genre dans le coin, euh, sur le fond. <laughs> j'ai pas pensé à ça, j'ai pas bien préparé mon truc. Ouais. <laughs> ben, C'est vrai que les Algériens sont, sont d'une fierté, en fait mais la fierté euh, n'est pas comme la fierté en général chez les Algériens elle, elle est menaçante mmh. la fierté elle <laughs> peut bloquer des rues et euh, à coup de drapeau algérien. et ouais effectivement mais ça vient ça vient de, de ça vient d'un bon endroit en fait mais alors comment tu comment tu vis la, la cette, cette différence entre être algérien au Québec et algérien euh, en France, est-ce qu'ici, quand tu es en France, tu es considéré comme un québécois ou est-ce que tu es considéré quand même comme un algérien Les a priori, c ouais. ça, 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 ça me fascine. Ben moi, en fait, dès que je parle, que je parle français, dès, lorsque je parle avec un français, direct, mm. il y a un bug. Il y a, je deviens une conversation Zoom avec la personne. <laughs> il y a un bug, il y a un décalage, il ne comprend pas. Euh, tu sens que dans ses yeux, il voit, il est comme Ah, cet arabe est brisé, tu vois. Cet il, il ah, arabe est brisé! Je... <laughs> mais, mais, mais moi, je trouve ça super intéressant. Puis au Québec, euh, en fait, on n'a pas la même réalité. J'ai pas la même réalité qu'un Algérien ici, mmh, au Québec, ça. parce qu'on est loin de tout. Tu vois, mmh. chez nous, quand j'étais jeune, je voyais un brun avec les cheveux frisés, euh, même s'il était latino, j'étais comme Ah, ok, on, est, on se ressemble, tu sais. On vient du même coin, alors que pas du tout. Tu ouais. vois? Tandis que ici, ben, c'est très présent. Tu vois? Donc quand je viens ici, à euh, quelque part, je trouve ça vraiment je trouve ça intéressant. Je, je, je retrouve, je, ben, je suis au Bled. Je, je suis chez moi, en fait. Quand tu viens ici, tu es au Bled. <laughs> je suis chez moi, en fait. C'est drôle. Mais, ouais, mais euh, moi, je trouve ça super intéressant, en fait. Ouais, J'ai visité Barbès. Et y a le, pas... ouais, le coin de Barbès à Paris. Ouais. Et, et je sais qu'il y a des clichés autour de ça. tu vois Il y a énormément de clichés autour de Barbès, mais je trouve que c'est un quartier fascinant. Fascinant. Mais il n'y a pas que des Algériens il y a de tout. Il y a beaucoup d'Africains euh, en général. Ouais. C'est mélangé en fait. Ouais. Et, et euh, ouais, je trouve ça fascinant. Euh, Barbara Riddle, Barbara Rydell, un Algérien qui parle québécois devant un Français, ça, ça va le faire bugger à coup sûr. Ouais. C'est c'est bah, un peu comme, euh, comme ce que je racontais dans mon premier spectacle, que moi, euh, étant anglais avec euh, pas d'accent anglais aussi, ça fait, ça fait, ouais. mais, en fait, ça fait bugger les gens quand je pose une question euh, d'un truc, c'est euh, basique, où quelqu'un va, par, bah, va parler de, de, de quelqu'un, ouais. de connu en France, et moi je vais dire pardon, c'est qui. T'sais, et puis les gens ils sont pas au courant que je suis anglais à ce moment-là. Et je dis, euh, ils se disent, mais comment ça tu sais pas qui c'est Je dis, pardon, je suis anglais. Et, puis, et là ils font, et, et je faisais ça dans mon premier spectacle. Ouais. Donc toi t'es un peu la même chose parce que en vrai, les gens, les français blancs, <laughs> ils vont te voir, ils vont dire, ah un autre bœuf euh, euh, de banlieue. Et du coup, toi, tu, tu débarques à Canet. Bonjour, vous comment, ouais. ça comment ça va Comment ça va, Corliss Et du coup, les gens, ils font eh « Hein ?» Mais c'est eh -ce Céline Dion, c'est la voix de Céline Dion euh, dans ouais, un autre corps. De chez, dans, dans, le, dans, un corps de, dans le corps de Shepraled. Mais, <laughs> mais c'est vrai, quand je t'ai vu la première fois, c'est exactement ce que je me suis dit. T'sais. Je me suis dit... Euh, en fait, as un, un très, un très bon accent français, en fait. Ouais, c'est impressionnant. Je, je l'ai beaucoup travaillé, mais aussi c'est ce qu'on disait euh, il y a le truc inconscient aussi. Où qui, moi, quand j'ai passé euh, un an au Québec, à Montréal, pendant mes études, euh, je, les gens qui me suivent depuis longtemps, ils ont peut-être vu. Euh, parce que je crois qu'avec Rowley, on a montré le, le morceau. Ah, pour mes études, j'ai dû faire un documentaire euh, sur la langue française, la langue ouais. québécoise. Un documentaire face caméra. Euh, J'étais là d'ailleurs. Non, 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 c'était. Euh, bien avant C'était bien avant. C'était okay, okay, okay. euh, avant qu'on se connaisse, c'était en 2008. Ok, euh, Et du coup, euh, dans l'enregistrement de la vidéo, je suis, je suis là, mais moi, je me souviens pas d'avoir pris l'accent québécois. Mais j'étais là, bonjour, je m'appelle Paul Taylor. Et euh, je suis là pour faire euh, la différence. Et, et du coup, j'ai vraiment une intonation québécoise, mais sans faire exprès, j'étais pas au courant. Donc, c'est hyper intéressant. Euh, ouais. Hey, Carlos Camejo nous demande peux-tu euh, nous enseigner quelque chose, parole, en arabe algérien Quelque chose parole, enfin des... J'imagine un... un... Euh, des phrases... Euh... Ouais, Rohtelab, ouais. Je vais même pas essayer de répéter ça. Ça, <laughs> ça veut dire, dire re... quoi ça Va jouer ailleurs. Va jouer ailleurs Va jouer ailleurs. <laughs> c'est très... Il ouais, y a un peu de somme. De Il y a un peu de somme là-dedans. C'est le somme <laughs> <C 'est rire> algérien. J'ai déjà entendu cette phrase, le somme algérien ouais, euh, en France. Le somme algérien, ouais Moi, c'est la première fois que quand je suis arrivé ici, j'ai entendu le somme algérien. Puis on me regardait, ils disaient, t'as pas le somme. Comme quoi? Déjà, le mot somme, je sais même pas ce que c'est. Mot... C'est un mot arabe ou pas Pas du tout, ça veut dire. Je pense c'est du Verlin. Je... je sais même pas ce le que ça veut sem. dire, mais. Tiens, je vais, checker. Je vais ouais. checker ça. Le somme. Je pense que le somme, c'est du Verlin, mais ça veut Attends, dire que t'es énervé, tiré, énervé quoi. pas c'est que le temps. Euh, ça veut dire quoi le somme, les Français dans le chat Le somme, je crois que ça s'écrit S-E-U-M. C'est dégoûté, énervé, si amer, cynique. Je crois. C'est ça, de ce que j'ai compris. C'est même pas, je sais même pas comment l'écrire en fait. Ouais. Euh, donc je peux, j peux Avec même pas euh, regarder. Ouais, beaucoup de nervosité. Le somme. Oh, le somme veut dire vénin. Euh, voilà. Ouais. J'allais dire merci à la personne qui l'a écrit, mais je ne peux pas lire ton ton nom. Euh, T'es dégoûté, je pense avoir les boules. Ça c'est une bonne traduction. Euh, ouais c'est ça. C'est de l'argot Lionel il dit. Ok, ça c'est. De l'argot. Ça s'écrit somme oui, euh, mais je sais pas d'où ça vient. Parce que tu sais il y a, y a beaucoup de mots. Euh, Arabes qui sont dans la langue française et on n'est même pas. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont même pas au, au, au courant. Comme Wesh. Comme, comme tout Wesh. Tout le monde dit Wesh. Wesh, 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 Wesh. Wesh, ma soeur, Wesh. L ouais. ouais. Euh, <rire> kiffer, <laughs> c'est un mot euh, algérien aussi. Enfin, kiffer, algérien, arabe. Euh, kiff, Genre, ouais. je, kiffe, je kiffe un truc, euh, j'adore. Kiffer, c'est. Il me semble que ça vient de l'arabe aussi. Fumer, euh, c'est une, une drogue en fait. Là. Voilà. Linda Wonder Woman. Sum vient de l'arabe sem qui veut dire vénin. Voilà, apparemment. Genre apparemment, mais toi, vois, je, je le savais pas, Lydia. Mais oh, c'est elle... ma mère. En fait. <laughs> sa mère, <laughs> elle est là? Non, mais c'est elle qui disait. Ah que oui, c'est oui, oui, elle qui disait que sa mère, Linda Wonder Woman. <laughs> Merci maman. Euh... <laughs> Ça c'est drôle. Romain Filière, Some 41. One. Groupe... <laughs> <laughs> Excellent. <rire> uh... Nathan, qui dit, t'as une présence très calme, Tréda. par rapport à moi, c'est vrai moi je suis toujours en mode hey hey je colle beaucoup trop euh, ça va les gars hey et toi tu es en mode euh... mais je le contrôle je le contrôle mais si tu ouais moi niveau personnel je peux être très très énervé oui. ah ouais ouais il y a bah en fait depuis que je suis ici en France mm. je, de... je deviens à Paris surtout je deviens énervé comme ça pour rien et je sais pas pourquoi je marche 15 minutes et là je suis énervé moi, je sais pourquoi. Parce que cette ville, elle est énervante. Elle est, est insupportable. C'est incroyable. incroyable. Elle est insupportable, cette ça ville. Ça noircit l'âme. Il y a comme quelque chose de... Ça, ça assombrit l'âme. Mm. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Mais sinon, Paris, c'est génial. Mais... <laughs> c'est vrai. On ne voit pas ce côté de Paris dans Emily in Paris, par exemple. C'est clair. Euh, et du coup, donc, là, tu es à Paris. ouais C'est quoi ton... C'est quoi ton, ton timing général de Québec, France, euh, Paris T'es où C'est quoi le ouais. c'est quoi ton calendrier en général J'ai pas de calendrier. Il est là le problème. <laughs> j ouais, je suis très influençable et j'ai pas de calendrier. Donc si demain je dis hey viens euh, on va à Barcelone, allez tu vas à Barcelone. <laughs> en fait c'est que ma copine est française. Ouais. Et puis euh, pendant le confinement au Québec euh, puis partout dans le monde quand le monde était fermé. Et là, ça commence à réouvrir, cool. Un petit peu. Euh, ben, ma copine, elle a voulu se rapprocher de sa famille. Puis vu que je suis le concubin d'une ressortissante française, parce que c'est le terme qu'ils disent ici, concubin. Concubin, ouais. Il ouais, y a un côté cocu, euh, a, ouais, bizarre. Bref, je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu habites avec la personne. Ouais, ou Con... tu Chez nous, Cuban. on dit euh, conjoint de fait au Québec. On dit conjoint, conjoint de fait, fait. ok. Ouais, c'est un terme très québécois. Ouais. Conjoint, conjoint de fait. Fait. C'est fait. <laughs> fait. fait, on est conjoint. C'est <laughs> fait, on est conjoint. On est conjoint. Mais conjoint de fait chez nous, c'est euh, ça, c'est concubin. Et puis vu que j'étais le le, le le concubin d'une ressortissante française, euh, donc j'ai pu la suivre. Ouais. Et puis je me suis pris un visa artiste pour euh, pouvoir travailler. Alors même si c'était fermé, mais j'ai j'ai pu parce que ici si tu viens. Euh, dans le territoire euh, Shanghai, euh, Shanghai, Shanghai, le <laughs> territoire Shanghai, exactement. On est dans le territoire Shanghai, Shanghai, Shanghai mesdames et messieurs. Schengen, 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 Schengen. Euh, ouais, ben. Schengen. Je sais pas comment. En vrai, je sais pas comment en prononçant Schengen, Schengen en français, ouais. je crois que c'est Schengen. Schengen. Ben, mais c'est presque Shanghai, ouais. C'est presque Shanghai. <rire> Merci. <rire> Merci, de m'aider, Paul. <laughs> t'es incroyable. Mais mais quand t'es quand es dans le territoire, euh, ben après, je veux dire territoire français. Euh, ben, ici, euh, pas, euh, il faut que tu restes. Tu peux pas rester plus que trois mois. Mmh. Donc, c'est pour ça que je me suis procuré. Ouais, c'est placu... 90 jours. Euh... Exactement. Ouais. Donc, c'est pour ça que je me suis procuré un visa artiste. Un visa artiste. Ouais. Donc, là, tu habites euh, en vrai avec ta copine. Ouais. Et, mais c'est pas à Paris. Non. Euh, Toulouse. Je dis Toulouse pour ne pas dire Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve-sur-Lot. Sur-Lot. Sur Est-ce qu'on a des gens de Villeneuve-sur-Lot Villeneuve. Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve oui, parce que Villeneuve, c'est la conjugaison, parce que Villeneuve, ça fonctionne pas parce que c'est féminin. Exact. Ça serait... Euh... Non, Terre-Neuve, c'est Terre pareil. Ouais. Euh... Qu'est-ce qui serait quelque chose de ouais, masculin euh, ci... non, Une cité, pareil. <laughs> Village-Neuf, voilà, Village-Neuf. Village-Neuf. Ça sera Village-Neuf, mais Villeneuve. Vi... Ouais, Sur Lotte Sur Lotte. Et ça devrait s'appeler Village-Neuf, parce que c'est un village. C'est très précis. <laughs> <'est... rire> <laughs> ouais. euh c'est euh, pas, pas très neuf c'est pas très neuf moi donc. je sais moi je sais même pas ouais château neuf château neuf pont neuf merci Émilie. merci, merci, merci euh, Raquel regal euh, pont neuf oui, exactement euh, mais attends je vais, je vais, je vais voir sur un, sur un plan château neuf aussi euh, avec, château euh, neuf du tu... pas ouais. ville neuf non ville neuf sur lot sur lot qui est à une c'est vraiment entre toulouse et, et bordeaux c'est dans le lot-et-garonne c'est dans le 47 ah ouais, attends si je mets mon téléphone là, j'ai trouvé <laughs> le truc. Voilà Ville-Neuf. Euh... C'est incroyable. Mais du coup c'est drôle parce que c'est écrit Ville-Neuf sur. L... Moi j'aurais prononcé ça Ville-Neuf sur l'eau. L-O-T. Ouais. Parce que tu dis un lot de parking, un lot de. Mais c'est sur le lot. C'est pour ça que ça s'appelle Ville-Neuf sur lot. C'est. Oui euh, la, la rivière. Vois, lot. Mais, la rivière. Mais, mais lot, lot. pour moi lot, ce serait écrit D-T-E. o t e Ouais. Là là. Là je suis encore québécois à ce moment-là. <laughs> je peux vraiment pas t'aider. <laughs> <laughs> Oh. Là, je suis très québécois encore, mais c'est pas loin de Toulouse. C'est à 1h10 euh, de Toulouse et à 1h de Bordeaux. C'est ah, vraiment oui. entre Bordeaux ah, et Ah oui, c'est vraiment entre les deux. Donc pourquoi tu dis Toulouse plutôt que Bordeaux Juste parce que euh, t'aimes mieux Toulouse euh, Ouais, parce que ma chérie aime beaucoup Toulouse. Elle a étudié à Toulouse, un endroit, et je dis Toulouse parce qu'elle n'aime pas, pas vraiment Bordeaux. Alors que je... Bordeaux, c'est magnifique aussi. Ouais, ouais. Mais je dis Toulouse, mais alors que j'aurais pu dire Agen. Parce que c'est vraiment à côté d'Agen. Agen, Agen c'est une autre ville C'est ouais, la ville. La ville, ben la ville euh... Ah ouais, Agen. Ouais, ah, c'est eh, dans le 47. Tu vois, ça, je l'aurais prononcé. Agen Non, je... ouais, Agen. Ouais, ok. Enfin, Agen. 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 Ouais. Agen. Ils ont un accent. Euh... Parce que Agen, pour moi, ça veut dire. Enfin, euh, tu t'as pas bu, tu n'as pas mangé. Ouais. Tu sais, quand tu vas chez le médecin, il dit euh, pour ta vaccination, il faut que tu sois Agen. Ouais. Mais les gens sont pas très âgés. Donc les gens à ils sont à euh, ils, ils sont à H24. Ouais. Ils sont <laughs> Oh, Jesus Christ. Mais, euh, mm. mais là-bas, ouais, ouais, c'est. Euh... Mais je dis pas agent parce que. Mais ouais, du coup, donc toi, Toulouse. tu donc, donc, habites à, à Villeneuve-sur-Lot et du coup, tu remontes sur Paris pour faire tes spectacles. Exactement. Mais c'est fais... quoi le train Tu vas à Bordeaux, tu vas à Toulouse et tu remontes ouais. Agen. <laughs> tu le... vas à Agen Ouais. Et du coup, tu prends un train à Bordeaux et le TGV Bordeaux euh, Exactement. Paris, parce qu'à Toulouse il n'y a pas de TGV. Exactement. Parce que je me suis rendu compte de ça le, la semaine, le vendredi, euh, parce que j'ai joué euh, à Toulouse euh, pour faire mon spectacle et du coup il y avait euh, pas de, il y avait un train mais c'était genre 5 heures de Paris ouais. Où c'était une heure de vol donc euh, j'ai fait bah, puisque apparemment il y a un peu euh, la mafia de Airbus parce ouais. que Airbus ils sont basés à Toulouse donc ils ont fait un truc en mode. Euh, pas, tu peux pas venir ici facilement en train faut prendre clair. un avion c'est <laughs> clair ben en fait c'est que des ingénieurs à Toulouse des avocats et des ingénieurs ouais. ouais. bah, euh... j'ai vu ça ils, ils travaillaient quasiment tous il y a Helen Bradley apparemment qui était au show qui dit Paul, you are absolutely brilliant in Toulouse, welcome back. Oh yeah. C'était euh, cool. Donc toi, es basé là-bas et tu viens sur Paris euh, quatre fois par semaine, enfin euh, quatre jours par semaine, un truc comme ça Même euh, des fois un peu plus, comme là, cette semaine, je veux, je veux faire toute la semaine. Tu fais toute la semaine Parce que, là, Parce que normalement, t'es pas là les lundis, mais comme je t'ai dit, viens faire le live, t'es venu le lundi. Voilà. Donc tu sais, par exemple, en fait, c'est vraiment pour conserver mon, mon, conserver mon couple, en fait, entretenir mon couple, <laughs> j'ai pas le choix. Puis elle, elle peut, vu qu'elle télétravaille à partir du Québec, elle ne peut pas télétravailler à Paris dans un petit appartement. À Paris, mmh. c'est compliqué. Oh, yeah. donc, euh, donc elle, elle préfère tra travailler euh, à Villeneuve-sur-Lot avec euh, la nature et tout ça. Et puis ouais, moi, ben je fais le, je fais le pont entre Villeneuve-sur-Lot et, euh, et Paris. Donc je suis du lundi euh, au mercredi à Villeneuve-sur-Lot. Et après, je pars à Paris pour faire le pour reste faire du des temps, shows, faire euh... des shows. Ouais. Et là, en ce moment, tu fais des plateaux d'humour. Tu fais des 10 minutes, des 15 minutes dans ouais. les comédie clubs parisiens. Exactement. Mais tu as aussi euh, des dates où tu fais une heure complète euh, à Paris. Exactement. Mais Bientôt, le 19 octobre, qui est le, le même, jour. Le même <laughs> jour que moi, je joue. Donc, le 19 octobre, mesdames et messieurs, soit vous avez le choix de venir… Euh, euh, moi, euh, au Grand Rex à Paris, ou sinon, le mieux, en vrai, c'est d'aller voir Reda euh, au Barbès Comedy Club, c'est ça Le mieux, c'est d'aller le voir. Mais non, mais va voir, les gens, ils, ils, ils me connaissent, ils ont vu, ils ont, ils, moi, je raconte de la merde tout le temps. Euh, allez voir euh, euh, Reda le 19 octobre, parce le que vous octobre. pouvez venir, venez le 20. Moi, je joue le 19 et le 20 octobre à Paris, le 19 et 20 au Grand Rex, et toi, c'est que le 19. Donc, ou venez... sinon, vous allez voir son spectacle 15-20 minutes. Après ça, vous venez voir mon spectacle. <laughs> il commence à quelle heure le tien À euh, 21h. Ah bah moi c'est 20h30. Donc ils viennent 30 minutes voir ton... Moi c'est 21h30. Donc ils viennent voir ton spectacle. Non moi c'est 21h. Et le mec il sait même pas à quelle heure <laughs> il joue. C'est de la bonne promo heures. mais c'est ça oui 21h. Mais ça va être bientôt dans, sur, sur, sur les réseaux. Mais euh, sinon vous faites l'aller-retour. Une bonne blague. Ouais, en vrai, ouais, moi, mon bonne. spectacle, et je crois qu'il est à 20h30, mais euh, je vais avoir une demi-heure de première partie aussi, parce que euh, dans une grande salle comme ça, ils imposent une première partie euh, break pour aller boire de... Donc euh, ça marchera de, pas. Donc, euh, donc venez, allez voir Reda le 19 et allez venez me voir. voir le 20. Non, allez voir uh, Paul. Non, Et euh, Donc, pas... tu fais ça, c'est ta première heure euh, en France Ouais. Et là, je, je teste. Euh, bah, en fait, c'est ce que j'ai fait, en fait pendant tout le confinement. J'ai écrit parce que j'avais pas le choix, parce que déjà au Québec, j'étais je, je, pas capable d'écrire. Je ne sais pas pour toi comment c'était. Moi, j'arrive. Euh, à chaque fois que. Là, euh, pendant les deux dernières semaines, je fais beaucoup d'interviews, euh, oh, radio, ouais. journal, pour faire la promotion des dates qui arrivent là oh, la, ouais. dans les semaines Lyon, Marseille, Montpellier, euh, Dijon, tout ça. Et à chaque fois, on me pose la question Alors, euh, ce confinement, le Covid, ça vous a permis d'écrire un petit peu plus <laughs> Et à chaque fois, je suis là. Non, parce que j'ai une fille, elle a deux ans. Et du coup, euh, rester coincé ouais. dans 50 mètres carrés, comme tu disais, avec, euh, avec ta copine, c'est impossible qu'elle puisse télétravailler. Ouais. Moi, j ai, j ai, on, en en fait, on était en mode survie pendant ah, un oui. an et demi. Et moi, ma survie, c'était de venir ici euh, toutes les semaines pour, pour les faire lives. un live. Mais as eu tellement. <laughs> c'est ma seule excuse. Donc, moi, je n'ai rien écrit. Mais toi, du coup, tu as pu écrire des trucs euh, ben, à, à villeneuve sur l'autre. À villeneuve sur l'autre. mais oui, j'avais pas le choix. En fait, en gros, c'est qu'au Québec, j'avais rien. Je pouvais pas. Il euh, n'y avait rien qui sortait. Je n'avais pas d'inspiration parce que parler de cuisine et de meubles qui parlent, il n'y avait rien d'intéressant, tu vois. Ouais. Et, euh, et puis, quand j'ai eu cette opportunité de partir euh, en France, je me suis dit, Bego, vas-y, va en France, tu vas avoir des nouvelles idées. Et le voyage, c'est la meilleure chose mm. pour un artiste parce que tu découvres des nouvelles choses, tu sors de ta zone de confort, tu, tu découvres de nouveaux codes. Donc, forcément, ça, ça te permet d'écrire. Même si je n'avais pas de public, et aussi euh, ma copine, elle, euh, vu qu'elle télétravaillait, mm. puis elle, elle a un travail très sérieux, elle est avocate, tu vois et puis euh, donc euh, j'avais j'avais pas le choix de faire quelque chose ouais, donc, ouais. pendant qu'elle travaillait euh, ben, moi je, je devais écrire ouais. et surtout pour euh, ouais pour sortir pour entretenir. sa tête. ouais ouais c'est ça exactement entretenir le, 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 le pouvoir comique parce que moi c'est ce qui me faisait le plus peur c'était de 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 plus être drôle ouais moi c'est ce qui me fait c'est super important c'est pas avoir des blagues des idées et tout mais il y a ce petit truc qui, qui est inexplicable, ouais. que tu as besoin cette tchat avec le public. Et moi, j'avais peur de le perdre, tu vois? donc euh, j'entretenais ça, j'essayais d'écrire le plus possible. J'écrivais avec un ami qui s'appelle Léo Hart euh, donc pour essayer de, 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 de le faire rire, puis lui, il essayait de me faire rire, et puis on écrivait une fois par ouais. semaine. Euh, donc j'ai écrit énormément, et puis euh, là, quand, quand ça a réouvert, à partir de juin, c'était juin dernier, ouais. là j'ai comm commencé à venir à Paris pour jouer. Ouais. Tu joues ouais, plusieurs Tester fois par semaine. Idées, ouais, ouais. Exactement. Trop bien. Ouais. C'est cool ça. Euh, les gens, euh, apparemment ma mère elle est arrivée euh, dans le chat, May Taylor, c'est ma mère Sérieux Ouais, hi mom Elle dit même pas bonjour à moi, elle dit bonjour à un gars qui s'appelle Jay, qui est euh, un autre invité que j'ai déjà eu euh, sur mon. C'est un YouTuber, il est très cool, il okay. est américain, il s'appelle Jay Swanson et lui il répond à ma mère. En fait, il se drague entre euh, depuis longtemps. Euh, quand ma mère elle est venue. <laughs> quand ma mère elle est Incroyable. venue pour le live, il se, se a... drague sur ton live. Bah en, en fait, il se... ma mère elle est venue, elle, elle était là en personne et, euh, et du coup, quand elle était là en personne, euh, Jay il est venu aussi ouais. et donc du coup, c'était The Jay and Mom Show. So ouais. anyway, hi mom, hi Jay. Um, <laughs> donc, euh... <laughs> donc voilà, mais on a toujours pas vu euh, la maman de, de, de Reda, donc je sais pas si euh, Si, si elle pas. est là, si elle nous regarde euh, et, et tout ça. Tu viens quand au Chili Tu viens quand au Chili C'est au... incroyable. Carole, tu... Carole Wilton. Tu viens quand au Chili on Va au Chili C'est incroyable. Bah, moi j'aimerais bien, ouais, mais euh, je, peux, je crois que je peux pas. Je crois qu'il y a pas de... Je crois que je peux pas rentrer. Écoute, Carole, euh, fais quelque chose. On vient. Et Paul il va venir, puis je ferai sa première partie. Ouais, juste pour toi, Carole. <laughs> Invite-nous chez toi, euh, l'apéro, et puis on se dit, ok. Idéalement, faudrait que tu sois à côté d'une plage. Ouais. Ce serait bien ça. Ouais, T'imagines jouer devant une personne Tu vas chez... T'imagines. Est-ce que pour combien d'argent tu dirais oui pour jouer devant une personne, genre chez lui Genre un prince, euh, un, un prince saoudien ou whatever it is, le mec. <laughs> T'acceptes combien d'argent pour aller jouer devant une personne euh... ton spectacle d'une heure. Ouais, je sais pas. Parce que déjà déjà, une personne, tu sais qu'il soit il, il va te juger, soit il... Voilà. Ou je sais pas. Je te donne 1000 euros, tu le fais ou pas Non. Je te donne 10 000, tu le fais ou pas <laughs> J'ai besoin d'argent en même temps, toi. <laughs> On est à Paris! Est-ce que t'es prêt à te prostituer pendant une heure pour 10 000 balles? De dire, euh, hey, je vais faire mes jokes et le mec, je admettons, ok, ok, on, je vais changer la donne. Euh, t'es obligé de jouer devant une personne, mais t'as pas le droit d'avoir une conversation avec lui comme ça. T'es obligé de jouer ton spectacle comme s'il y avait quatre murs, comme si c'était euh, aucune oh. interaction. Je le vois pas. Si, si, tu le vois. Mais, ok. Tu, il te regarde dans les yeux tout le long. <laughs> C'est un prince saoudien. Peu importe, c'est peut-être un prince... Euh, go. 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 Uh, make, make me laugh, bastard. Go, monkey boy. Make me laugh, monkey boy. Let's go. You make me... C'était tellement une mauvaise impression de l'accent saoudien. Mais imagine, <laughs> j'ai dit saoudien, ça se trouve que c'est un milliardaire russe. Ouais. Ça se trouve que c'est Elon Musk, Jeff Bezos, qui a l'argent et il te dit, viens jouer, j'ai juste envie de rigoler parce que là, le monde ouais, va pas... Ouais, ouais. Mais tu viens chez moi et tu joues que devant moi pendant une heure. Je pense, 10 000 Je pense pas. 10 non, 000 non, non Non, je pense pas. 100 000. Ok, arrête là. Non mais <laughs> il faut mettre un prix là-dessus. Je pense pas non plus. Non. Alors 500 000. Half a ah million. Là, là ouais, peut-être. Là on est pas mal hein. Là on est pas tu mal. Je dis c'est une heure de ma vie pour 500 000. S il paye le voyage et tout. <laughs> Parce que, parce que 500 000, je... 100 000, t'es là, genre non, parce que mon billet il va coûter 500 euros pour aller. Euh, euh, eu le... Oh my god, s'il ah paye le voyage. Uh, uh, Phil C dit pour moi 1000 euros, je déroule mon spectacle, problème, j'ai pas de spectacle. <laughs> Alors Raquel, elle dit 1000, non, 000, non euh, 10 000, je réfléchis. Ouais, ça se réfléchit, hein. Ça se réfléchit Mais tu sais moi j'aurais trop peur que si je le fais pas rire ben bah, je me fais je me fais tuer quoi ou je me fais kidnapper. Alors oublie le fait que tu peux te faire tuer ou kidnapper. It's just a lonely sad man. Mais pourquoi c'est quoi son intérêt de prendre un humoriste seul Pourquoi il voudrait pas être avec mais... plusieurs personnes en même temps et parce que c'est ça le but d'un humoriste c'est qu'il y ait un public. Voilà. Euh... Mais toi tu réfléchis comme une personne normale mais ces gens-là c'est pas des gens normaux. Eux ils veulent l'exclusivité, ils veulent acheter toi. En tant qu'humain, limite comme de l'esclavage, en mode je peux payer cet humain pour venir chez moi et je sais qu'il a un prix. Et je sais qu'au bout de 1 million, 10 millions, 100 millions, le mec imagine, il a un budget illimité, mais s'il veut t'acheter, c'est ça le truc en fait qui est un peu perverse dans l'idée dans de. de, de <laughs> Qu'est-ce qu'il dit De dire comme ça. Uh, Inès Langlois says, I'm not a comedian, but for that much money, I'll write a show. Euh, ouais. ouais, pourquoi pas. C'est vrai qu'après, pour cet argent-là, tu trouves de l'argent. Tu dis, je te paye, monsieur auteur, 5 000 euros, auteur, 5 000 euros. Pour 30 000 euros, tu as des bons, auteurs, des bons auteurs qui te font un chaud. Ouais. Ouais, ouais. Ça peut être intéressant pour roder un spectacle, en fait. Je pourrais le roder devant lui. <laughs> pour 5000 C'est vrai. Pour 500 000, je, voilà, je rode un spectacle. Il y a, euh, Michael... Après, oui, je le ferai juste pour l'anecdote. Juste pour écrire des blagues là-dessus. Ça, je crois que c'est ça, en fait. Ça ouais. te donnerait dix minutes de plus. Euh... Mais juste pour dire, yo, j'ai été acheté par une personne. <laughs> ça, c'est la, la prémisse <laughs> la plus forte. J'ai été, par... ouais. ouais, été acheté par une personne. Ouais, euh, j'ai été acheté par une personne. Mikaluna, euh, accepterais-tu jouer pour l'anniversaire de la fille de 8 ans d'un prince saoudien pour cent mille? Là, là on, on devient clown. Ouais. Là, ça devient clown. ouais c'est ridicule c'est ridicule mais ça meille, tu sais pour un prince dis, ouais. tu dis ouais, ça... tu deviens fou du roi quoi Lionel Selakus il dit si le job c'est juste de venir de blablater j'aime bien ce mot français blablater parce que ça ça, ça existe pas en France euh, en québécois non blablater blablater ça pas. déjà cassé Jacassé, cassé Jacassé cassé ouais jacassé, et jaser c'est quoi jaser ouais ça veut dire pendant blablacé. une heure un spectacle payé 5000 euros soyons honnêtes, tout le monde le fait alors 5000 non pas tout le monde le fait euh, euh, parce que dans le milieu des humoristes, pas tout le monde le fait pour 5000. Ouais. Mais, euh, mais pour, déjà pour une personne, as-tu déjà joué pour une personne C'est horrible. Alors, oui, c'est on... pour tester devant euh, par exemple, devant ton frère, devant un ami. Tu testes un numéro, tu as déjà testé 7 minutes devant quelqu'un dans mais les débuts. Alors, dans, euh, oui, oui, oui j'ai déjà joué pour une personne, mais dans une, dans une salle de spectacle où la capacité est 50 personnes, tu montes sur scène. Avec d'autres humoristes, il y a une personne dans le public, c'est déjà arrivé. Oh. Mais une personne face à face, je ne fais jamais. Euh... Moi, je teste jamais mon, mon, mes, mes blagues. Je... Si je peux tester, mais c'est en racontant une histoire. C'est pas. en... Un... Eh, hey, voici mon numéro sur le. Ouais. C'est un peu compliqué. Mais, mais c'est euh... horrible parce que moi, je l'ai déjà fait devant dans mes débuts. Tu vois, je l'ai déjà fait devant une personne. Tu vois, c'était un ami et je le testais parce que je jouais le je jouais le lendemain. Tu vois. Ouais. Et je vais le tester, mais c'est horrible parce que tu vois le jugement. <laughs> tu vois qu'il est comme « Oh non! <laughs> » Tu vois la déception dans ses yeux. Donc, c'est horrible. Moi, je préfère jouer devant... devant Après, non, ma question, c'est est-ce que tu préfères jouer devant, par exemple... Euh, OK, 3000 personnes ouais. à fond, à fond, mais ouais. tu n'es pas payé. Ou tu joues devant une personne, mais tu es payé 150 000. Euros. On parle de 10 minutes. 10 minutes 10 minutes. Oh, dude, tu me poses des questions là. Alors, alors, alors c'est une personne, 150 000 euros, ou 3 000 personnes qui sont à fond dans le truc et 0 euros 0 euro. Honnêtement, je crois que les 3 000 pour 0. Honnêtement. Allez. Parce que. Je suis d'accord. 16, 000, ça veut dire que tu dois payer. Genre 40% de taxes là-dessus. Ouais. Donc en final, ça revient à <laughs> 70 000. Et en vrai, 70 000 euros, en vrai. Tu penses aux impôts Non, mais en vrai, euh, ouais, bah tu, forcément, tu penses à ça. Mais ouais. en vrai, 70 000 euros, à la fin de ma vie, à 70 ouais. ans, sur le cumul. Enfin, c'est pas. C'est deux ans de salaire de, ouais. de, de, de quand je bossais euh, euh, chez Apple, euh, 70 000 euros, tu vois, 75 000 euros. Et donc, du coup, je me dis, c'est deux ans, mais en fait, pour moi, le, le, le kiff de, de, de jouer devant 3000 personnes qui sont chauds, qui veulent truc, je préfère ouais. jouer euh, ça. Parce que, je, en fait, j'ai déjà joué des, des, tellement de soirées de merde euh, devant très peu de gens, qui, et ça s'est très mal passé, que j'ai envie d'oublier ce truc-là, je crois. Je crois. Après, dans la réalité, après, je pitch le truc à ma femme, et elle dit, euh, <laughs> Mais tu sais, la cuisine, là, on voulait la refaire depuis longtemps. <laughs> Et là, je fais fa « Fuck !» C'est exactement ça. ça. Euh, donc, euh, en... Clair. en vrai, 10 minutes, 150 000, je crois que je le fais quand même. Je bois une bière tous les lundis à 8h. J'ai buggé. Je bois suis... une bière tous les lundis à 8h, j'ai buggé. Je me suis dit, il est anglais, mais quand même, 8h, c'est tôt. Ouais, 8h, heures, 20h. Heures. Hmm. Ça, c'est une, une question intéressante de Odile. Euh, au Québec, vous dites comment Comment vous, vous faites les heures Parce ouais. qu'en Angleterre, c'est… Euh, il n'y a pas de il a pas de 20 ou de il a, a, a pas de 24 heures. De dizaines, ouais. a pas ça va à 12 et ensuite ça recommence. Exactement. Mais parce que on est assez intelligent qu'on y a du contexte. Si tu dis euh, je bois je bois des bières à 8 heures tous les soirs, tu dis pas euh... bah, tous les soirs déjà. Ouais. 8 pm, on a le pm. Mais en France, c'est genre non, on peut pas dire 8 heures parce euh, que c'est ouais. le matin. Mais bon, si tu dis oui, euh, je finis de travailler à 5 heures, les gens ils vont pas dire ils finissent de travailler à 5 heures du matin. Ouais, mais nous on a ça aussi. On a on a les deux en fait, vu que c'est anglais et français on a 20h et 8h pm ouais, 8h pm vous dites ouais on dit, on, on dit les deux en fait puis on comprend euh, ça dépend euh, de chacun ouais en vrai le système il est bon en vrai dans, dans le système militaire en anglais, en anglais on a, ils vont dire uh, 1400 hours ouais. C'est euh, vrai. Uh, 1400, « donc 1400 c'est en vrai c'est 1400 1400 heures ouais. c'est comme ça qu'on le dit uh, 1500 hours c'est c'est cents » parce que c'est 1500, donc 1500 c'est 15 fois 100. En vrai, on, on a des problèmes à compter en Angleterre aussi. Mais ouais, on dit on, on, AM au PM. Euh, et donc du coup, euh, du coup ouais, c est, c est, ça c'était un des premiers trucs que j'ai dû, dû changer euh, ici en France. Ouais, mais toi aussi, j'imagine, quand tu es arrivé du Québec et tu, tu dis, ouais, euh, bah, ce soir je joue à 8h30, que tu as peut-être l'habitude de dire au Québec, genre je joue à 8h30. Mais honnêtement, euh, je, ce code-là on le comprend c'est à dire que ici je sais que je vais dire 20h30 par contre quand quelqu'un me dit que je vais jouer ce soir à 8h ben, je comprends qu'il m'a déjà dit ce soir mm. déjà à la base mais je vais le comprendre euh, on a ce réflexe là mais ici je sais qu'ils n'ont pas ce réflexe là donc je vais dire 20h tu vois mm. euh, mais c'est vrai que par exemple il y a d'autres codes ici que je ne maîtrise pas tu vois par exemple au Québec et qui a rien à voir avec l'heure au Québec on dit euh, par exemple euh, chez nous on dit bonjour ça va tu vois Ouais et le ça va euh, ça fait partie du bonjour ouais. c'est bonjour tirer ça va Donc, ne viens pas me dire ah je vais pas bien on n'est pas prêt à ça on est vraiment <laughs> on n'est pas prêt à vivre ce genre de délire <laughs> mais ici tu vois euh, une fois je rentre en boutique puis je dis bonjour euh, la personne me dit bonjour monsieur je dis bonjour ça va tu vois j'ai vraiment bug. elle bug mais ouais. elle était offusquée je... euh? mais vraiment on se connaît tu vois ouais oui ouais et, et ça m'a vraiment... ça ouais. comme. Ah ouais, mais c'est juste ça va. Juste dit oui. C'est tout. ben bah, c'est tout, hein, on s'en fout. Arrête d'être fusqué, en fait. <laughs> T'as pas besoin d'être. Tu dois avoir le truc en terrasse aussi, ou dans un restaurant, où, où le serveur il vient. Et il vient, il dit euh, bonjour, messieurs, dames. Et, et tu réponds euh, bonjour, ça va Oui, oui. Et ils font. Euh je pas prêt à la question ça ils sont oui, genre oui, ils euh, sont oh, pas prêts ils hey, fichent, hey, moi ça va pas en <laughs> fait je travaille depuis 5 heures du matin là, ça va pas <laughs> du tout euh, je suis pas à l'habitude que les gens ils soient intéressés à ce que je fais. exactement t'as comme l'impression que tout le monde est vraiment énervé ils sont vraiment pas bien et c'est la première fois qu'on leur pose ça va <laughs> Ils sont comme pas prêts à vivre ça, tu vois. Donc, euh, ouais. oh. mais ça c'est un code ici que je encore aujourd'hui je ne maîtrise pas. Même ma copine, elle s'énerve et est comme arrête de demander ça va. Ouais. Je suis comme non, il faut, faut qu'ils répondent. Ouais. Je... ouais. Je leur dis oui. moi ça va. Ouais ça va et vous. Super. Et alors vous voulez commander quoi <laughs> Mais il mais. y a Caldash euh, sur les commentaires qui dit euh, It's time for express yourself. Oh yeah. Tu connais le, la rubrique « Express yourself » ou pas Euh Oui, je connais. Par contre, euh, il va falloir que tu me traduises. All right, well, let's fucking do it. Ladies and gentlemen, « Express your... Send me your favorite expressions in English or in French and we'll see if my guest understands them. Alors, pour ceux qui connaissent euh, le show, vous savez ce qui se passe, les nouveaux 7 euh, Le principe, c'est que je pose la question à vous d'envoyer euh, des expressions dans la langue inverse euh, du guest. Donc, là, comme t'es es francophone, ouais. ça va être des expressions anglaises. Donc, euh, mesdames et messieurs, euh, dans le chat de Facebook, de Twitch et de fucking YouTube, envoyez vos expressions euh, préférées euh, en anglais. Et on va voir si mon euh, si guest comprends. Reda il comprend les phrases. Et on s'amuse souvent, euh, souvent avec parce que des expressions, euh, c'est toujours le truc euh, qu'on. En fait, le dernier truc à, à comprendre quand tu parles une autre langue. Le premier truc, c'est les gros mots. Le dernier truc, c'est les, les expressions, expressions. idiomatiques. Um, all right, let's do it. Uh, melodious Ramblings off of YouTube. Elle dit, That's how the cookie crumbles. Qui veut dire euh, combien. Ça, c'est combien de, de, de biscuits qui croquent Crumbles. <laughs> non, mais il faut vraiment que tu m'aides. Uh, donc, uh, that's how the cookie crumbles, c'est uh, ce uh, uh, comme ça que le cookie, il s'émiette. Ah, c'est comme dire, par exemple, il euh, euh, y a une couille dans le pâté. Là, c'est comme ça. Genre, par exemple, il y a un problème. <laughs> Chez nous, ouais, ça. En France, vous dites une couille dans le pâté. Un une problème. couille dans le pâté, dans le potage. Dans le potage euh, une ouais. couille dans n'importe quoi. Il y a un problème. Dans le... Il y a une couille dans la boisson, il y a une couille dans. Ouais, ouais. il y a un problème. Non. Mais là, ça, ça, ça serait. C'est comme ça que. C'est comme ça que le cookie, il, il s'émiette. Ouais, c'est comme ça que. Bah, c'est comme ça que tu vas créer un problème, en fait. Non. Non C'est comme ça que. Ben bah, oui, parce que. C'est comme ça que le cookie s'émiette. C'est une expression, ça <laughs> Sérieux Ouais. Ouais, c'est une vraie expression ouais, alors ça okay. veut dire... Euh... Attends, attends, attends. Ouais, vas-y, vas-y. C'est je ça que la, euh, les choses vont se dégrader. Parce qu'il y a quelque chose qui se dégrade. Euh, oui, mais la, le côté dégradation, on s'en fout un peu. Imagine que tu as cinq cookies et, euh, et tu les émiettes avec tes mains. Bah, ils vont s'émietter d'une façon différente Ouais. à chaque fois. Ok. Ok. Euh, ça, ça veut dire que on s'émiette de manière différente. <laughs> non, je, je sais pas. <laughs> ça veut dire, tu pas. dirais, euh, tu sais, moi, ma carrière, euh, je pensais qu'elle était très géniale, et puis j'allais faire ça, j'allais faire, j'allais faire ça, et euh, t'es déçu d'un truc. Ah C'est juste un exemple. D'accord. Yeah, but, you know, that's how the cookie crumbles. C'est un peu... Euh, tu croyais euh, que c'était ça, mais finalement, euh, la vie t'a donné autre chose. En fait, ouais, c'est en fait, la vie te donne ce qu'elle te donne. Things are gonna be how they're gonna be. Mange les miettes. Euh, ça se dit en, en québécois Mange les miettes Mange les miettes, ouais. Mange les miettes Mange les miettes. Ça veut dire... Euh, Whatever will be, will be. Chez nous, euh, manger les miettes, ça veut dire. Euh, bon, ce gars-là, ce gars, il a vraiment travaillé. Ça a, ah, été non, dur. Non. ça a été dur pour lui, il a mangé les miettes. Non, non, c'est même pas ça. Okay. C'est euh, genre. Euh, peu importe ce que tu essayes de faire, ça va être comme ça. Le résultat final va être comme ça. It's how the cookie crumbles. Tu peux rien en faire. Tu peux rien. Euh, c'est pas Le, La carrière, c'était un, un exemple. Mais c'est genre. Euh, tu dis, bah. Hey, à 8h30 du matin, je suis sorti, j'ai mis mon pied dans la dans la flaque d'eau, j'étais mouillé. Ensuite, j'ai eu un le, le camion poubelle qui est parti, qui a me. Rend... Je dis ouais, well, that's how the cookie crumbles. C'est genre shit happens. Ouais, euh, c'est comme ça que ça se passe en fait. Tu peux rien faire. It's a bit like fate. Le... Ah, c'est philosophique. Même. Ouais, c'est très philosophique. C'est bon je, hein. Je sais pas pourquoi c'est lié à des cookies et comment tu les émiettes. C'est forcément une expression américaine parce oh, que bouffe des cookies quoi. Ouais, c'est eux qui bouffent des cookies. Qui trouvent des parallèles <laughs> avec des cookies. Ah. Incroyable. Euh, et on va rester dans la bouffe. Euh, Mathis Bovino, il dit To be as cool as a cucumber. C'est cool comme un concombre, ouais. C'est-à-dire un concombre, c'est simple, c'est comme ça. Est, il n'y est, il, il a pas de superflu, c'est pas extravagant. C'est un concombre quoi. Il y a de l'eau, c'est croquant parfois mais sans plus pas de flafla -fla, pas de pas de danse <laughs> tu vas beaucoup just, trop loin dans le truc juste du stand up quoi juste des blagues cool cool comme un concombre cool comme un concombre pas ça. besoin de flafla -fla, de danse comme dans les années 90 <laughs> cool, cool. As, cool as, a, as cool as a cucumber ça veut juste dire que étais euh, tu as gardé euh, le sang-froid Genre, ah, imagine... froid Froid comme un euh, concombre. Ouais, imagine, t'es... Euh... Ok, froid comme un concombre, pas cool, euh, le, le, la base. Bah, c'est un peu les deux. Imagine, t'es en train de diffuser une bombe, et t'as le fil rouge et le fil vert, et t'es genre euh, stressé de ouf, et imagine, t'arrives et tu fais... Ouais, ça diffuse la bombe et tout ça, tu dirais... Dude, that guy was as cool as a cucumber. Genre, il était, euh, il était relax, il était... Euh, comme un concombre. Comme... <laughs> Rien à voir avec rien, en fait. Mais oui, c'est ça. Uh, uh, right. En fait, c'est négatif, comme... Euh... Non, c'est très positif. Ah, c'est positif C'est positif en mode... Eh, hey, putain, c'était... Eh, hey, Reda Saoui, sa première heure en France, c'était le 19 octobre. Eh, hey, avant de monter sur scène, he was cool as a cucumber. Genre, t'étais pas stressé, t'étais pas... D'accord. Mais en même temps, euh, se faire traiter de concombre... Euh... Ça peut être péjoratif. Ouais, mais concombre. Ça peut bon. être. Euh, ah, il a été comme un concombre, quoi. Un ouais. concombre, ça fait rien, en fait. Un concombre, c'est. <laughs> right, next one. Okay. <laughs> uh, Allons-y. Mostly guess so. Alors, moi, c'est une variation que j'ai jamais entendue. Ouais. I wouldn't kick her out of bed for eating crackers. Moi, j'ai entendu la version, c'est I wouldn't kick her out of bed for farting. Peux-tu juste me traduire. Euh... I... Juste me traduire. I wouldn't kick her out of bed. Ça veut dire, euh, je la jetterai pas du lit. Pour manger des crackers. Ou moi, dans mon truc, c'est je la jetterai pas du lit si elle pète. Ok, ça veut dire que c'est la femme de ta vie, quoi. C'est la femme de ta vie, elle peut péter, euh, voilà. Ouais, c'est euh, presque ça. c'est l'homme de ta vie, ou euh, de ta... la personne de ta vie. C'est la personne qui est qui est beau. Quelqu'un va dire Eh, hey, okay. t'en penses quoi de, de Jean-Pierre euh, Il est beau gosse, hein ouais hé, euh, Marie-Claude, elle est belle Tu dirais, ouais, I wouldn't kick her out of bed for farting. C'est genre, tu coucherais avec elle et puis, euh, et puis elle est sympa. Enfin, c'est pas la personne de ta vie, mais c'est quelqu'un de beau. De, okay. C'est quelqu'un qui est beau et tu dis, ouais, je coucherais avec, euh, ouais, c'est. Uh, I, I wouldn't kick her out of bed for farting. Ok ça peut être facilement ça peut être sexiste euh, très ah, mais de facile. ouf oh, mais très facilement ouais mais tu peux dire ça de eux I wouldn't kick him moi comme, oh, ouais, ouais. comme je suis un mec je dirais ça I wouldn't kick her out of bed mais euh, du coup euh, les femmes peuvent dire ça aussi en Angleterre I wouldn't kick him out of bed for ah, oui, oui, farting I wouldn't kick him out of bed genre c'est ouais mais en même temps c'est très imagé hein ah, ouais, très uh, right what else what else have we got uh, 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 Newham, LLMA, -L on uh, YouTube, To Pull Someone's Leg. Tu pousses quelqu'un. C'est ça Alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu comprenais l'anglais euh, 100%, oh, mais, mais vrai, faut vraiment, comme je t'ai dit, il faut vraiment <laughs> que tu me traduises. <laughs> to Pull Someone's Leg, c'est tirer la jambe à quelqu'un. Ok. Il y, y, a, y a deux façons de voir la, la chose. Soit que tu veux l'aider. Ouais, ouais, ouais. Tu... Euh... Je vois la logique. Ou soit tu veux vraiment, euh, voilà, le freiner quoi, freiner une personne. Ok. C'est Je... freiner, c'est un obstacle. Il y a un obstacle quelque part. j'étais Je... très visuel dans le truc. Ben oui, mais j'ai pas en, le choix. Mais, mais en j'ai vrai... <laughs> pas le choix. Mais en vrai, <laughs> il y a zéro visuel. Alors, tirez la jambe à quelqu'un. Je te le donne en, dans un contexte et essaye de deviner. Euh... Ok, vas-y. Right. Imagine que. Euh, et imagine que j'ai une réunion avec Fanny, notre productrice, et que je lui dis, Eh hey, en fait, euh, dans six mois, j'ai envie de faire euh, Bercy. Book moins Bercy, 15 000 places, euh, je vais les remplir. Et elle fait, euh, ah bon Et donc, elle se met à travailler et machin. Ouais, ouais. Et après, il euh, y a Ben de la production aussi qui fait, mais t'es con quoi Et moi, je vais dire, ah, I was just pulling her leg. J'étais juste en train de tirer sa jambe. Ah d'accord, c'est comme euh... d'accord, c'est comme euh, noyer le poisson dans l'eau. <laughs> <laughs> tu connais cette expression Je l'ai entendue, mais je suis pas sûr que. C'est comme euh, pour avoir une information, tu t'essaies de noyer le poisson dans l'eau. Ah euh, non. non. C'est comme dire ok, c'est juste pour. Tu tentes quelque chose. Euh, tu... euh, non, euh, non, Non 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 non. Euh, euh... ah, je suis vraiment mauvais dans ce sens. Ouais, t'es pas mal nul, mais c'est pas grave. Il euh, y a des gens On apprend, sont... hein Ouais. Voilà, Alors, si tu tirer la jambe à quelqu'un, ça veut dire euh, blaguer. Ah, ça veut ouais, dire une blague. Euh... Ouais, c'est une blague. Genre, euh, si je dis, ouais, j'ai envie de faire bercer la semaine prochaine, et puis les gens stressés, je dis, ouais, j'étais juste en... I was pulling her leg, j'étais en train de blaguer ah, avec elle. d'accord. Et je ne sais pas d'où ça vient. Euh, visuellement, ça n'a zéro sens. Mais quand tu tires la jambe à quelqu'un en anglais, c'est que tu blagues. D'accord. He's just pulling your leg. I'm pulling his leg. I'm pulling her leg. Uh, c'est enregistré. Pardon, je, je ne connaissais pas. Pull someone's leg. Yeah, exactly. Uh, Fabrice's commentaire on Twitch says time is money. Ouais, là, bah ouais le temps, c'est l'argent. Le temps, c'est l'argent. Ça fonctionne dans les deux, dans les deux langues. Time, time is money. Time is money. Time is money. Ça sonne mieux chez vous, quoi. Time is money. Uh, time is money. Uh, right, let's do one more. Let's do one more. Je vais trouver une dernière Uh, 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 uh. Ankle bitter. Ah, où t'es où? T'es où? où? <laughs> Attends, où ça? Mm. ça? Nijen. Oh, un an ankle biter. Oh, Jenny Richards. Oh. Nijen, elle a changé son. Elle a mis du Verland dans son. Ah, ok, du Jenny Richards. Jenny Richards. Ankle bitter. Ankle biter. Ankle biter. <sighs> biter. Oh, Jenny. An ankle biter. I'm going have to look this up. J'ai oublié ce que ça veut dire. Ankle biter. Uh. C'est quoi Expression. Donc tu sais ce que ça veut dire Un ankle bite déjà. Euh, tra euh, traduction littérale. Ankle. Ankle, tu sais ce que c'est Non. C'est la cheville. Oui, la cheville. Ankle. Biter. Biter, c'est... C'est quoi euh, A biter, c'est le, euh, le, le, le nom qui vient du verbe to bite. Mordre. Donc, okay. Un biter, c'est quelqu'un qui mord. Mord quelqu qui mord la cheville. Quelqu'un qui mord la cheville. D'accord, là il y a quelque chose de. Moi je vais vraiment avec la vibe, hein. Ouais, la ouais, vibe euh, du truc, la magie. Mais vas-y du... avec la vibe du truc. Moi je crois que le ankle biter, euh, quelqu'un qui, qui <laughs> essaie de mordre la cheville, il euh, y a quelqu'un. C'est ça, c'est euh, quelqu'un qui a le. Qui est un peu mesquin, quoi, qui. <laughs> qui veut te. Voilà. Ouais, ouais. J'ai rien dit, hein. Mais... Ouais, c'est quelqu'un qui est mesquin, c'est tout. <laughs> non, mais c'est quelqu'un qui, qui veut. Euh, qui Voilà, il, il te parle par intérêt. Et puis, euh, c'est vraiment pour te dépasser, en fait. C'est vraiment pour te. C'est comme te donner une, une croche-patte, quoi. Quelqu'un qui te mord. Le... Déjà, une personne qui te mord <laughs> l, la cheville, c'est pas c'est pas sain, en fait. Alors, euh, c'est plus simple que ça. Euh, pense littéralement, t'as tes chevilles, il y a quelqu'un qui mord à tes chevilles. Qui ça pourrait être Ah, ouais. Quelqu'un le... qui a faim, en fait. C'est quelqu'un qui... qui a faim. Qui est comme, s'il vous plaît, moi J'ai faim, j'ai vraiment faim. Ah, le mec, il a tellement faim qu'il est par terre en train de... Mais je sais <laughs> il est comme ça, de... <laughs> J'ai faim. Ah On va le trouver. Non, mais t'inquiète, dis-moi le pas. Uncle Bitter. Biter. 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 Uncle... Quelqu'un qui te mord les chevilles. C'est quelqu'un qui... Littéralement, c'est quelqu'un qui. Ben déjà, il est, il est pas bien. <laughs> mentalement. Ouais, alors ça, je suis d'accord. Il est pas bien mentalement. <laughs> quelqu'un qui te mord les chevilles. Qui pourrait être à l'auteur de tes chevilles et qui peut pas mordre plus haut Ah, ben des insectes, des. des... Ah, des animaux. Des animaux Genre. Un chien. Un chien. Super. Qui d'autre Quoi d'autre Un qui? chat. Qui, qui, qui... Alors, si... un parce crocodile. Que... Peut-être ça pourrait être un crocodile. Mais ça, ça te bouffe le, la cheville. Et ouais, le... Ça, ça te mange le, le, toi au complet, en fait. <laughs> ça commence. Ça la cheville, c'est l'apéro pour le crocodile. Voilà. Mais euh, humainement, en humain, j'ai jamais connu une personne qui mord les chevilles. Mais parce que tu jamais eu de bébé. Non, parce que... Ah Attends, attends, <laughs> Je... Ton enfant il te mord les chevilles Et as déjà, ton, ta fille t'as déjà mordu la cheville Non, elle m'a mordu le, le, le gros doigt du pied. Ah. Ça se dit le gros doigt du pied Oui, oui le gros doigt du pied. Oui. The, the big toe. Ouais. The big toe. Ouais. Ouais. Euh, Bah ouais, c'est ça. C'est un enfant ou un chien, genre un truc comme ça. D'accord. C'est un synonyme de ça. Tu dis, oh, he's a little ankle biter. D'accord. Genre c'est un petit con. C mais c'est 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 péjoratif. J'allais dire dérogatif, mais c'est pas ça. C'est pas le rôle. Dérogatif. Bon ouais. Dérogatoire, peut-être. C'est péjoratif. Ouais. Péjoratif. Ouais, ouais. Fucking hell. There we go. Red the euh, Alors disons que c'était un peu nul. Euh, Ton niveau oui. d'anglais. Vraiment. Mais Merci. C'était pas mal. Hein. Merci. C'était cool, mais euh, ça, ça a rendu le truc drôle. Et t'es très visuel. <laughs> oui, mais c'est comme ça que je fonctionne. Hein. C'est... Euh, voilà. Euh, je là, euh, les images. Alors, euh, Abdelmalek, justement, euh, qui veut faire le truc inverse, euh, peux-tu nous donner une expression en arabe Donc, tu as déjà donné une expression tout à l'heure, mais euh, donne-nous une expression, genre, euh, idiomatique. Enfin, un truc euh, qui est un peu visuel. Euh, là, comme ça. Genre, comment tu dis, il pleut beaucoup, beaucoup Après, peut-être... Euh, mais j'ai une expression que on, on disait beaucoup à mon cousin. Euh, Rasekabouya. 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 Rasek euh, ça veut dire, euh, t'as une tête de, de courgette, quoi. T'as une tête de courgette, littéralement De courge, ouais. T'as une tête de courge. Littéralement, ça veut dire ça Ou ça, c'est le... Oh oui, c'est littéralement, ça veut dire une tête de courge. C'est quoi, rasek Rasekabouya. Euh, mais mon rasek arabe, il n'est pas, il est, il est pas excellent, mais ça, voilà, ça veut dire que t'as une... Une tête de courge, ça veut dire que t'es con Ouais. OK, une tête de con, ben, en fait c'est une expression euh, qu'il a inventée vraiment pour lui, tu vois. Ah d'accord, donc c'est pas un truc couramment euh, c'est que... pas euh, voilà. Si les, les autres arabes euh, dans le chat, Rasek kabouya. Rasek kabouya, ça vous dit quelque chose ou c'est juste euh, mais il est en train de dire euh, le mec il a une tête de con. Bukra fil mishmish. Bukra Andrew... fil B... mishmish. Bukra fil mishmish, je sais pas s'il se fout de notre gueule. Non non, mais ça veut dire mais Bukra fil mishmish. Je sais pas ce que ça veut dire. Andrew Robinson, tu peux me, me dire ce que ça veut uh, dire. Andrew Robinson, Bukhara. what does it mean? Andrew Robinson, c'est tellement un nom anglais aussi. Andrew Robinson. Bukrafil Mishmish. Bukrafil, eh, tu, tu le prononces bien. Bukrafil, tu sais, je crois que je pourrais bien parler arabe. Si, en fait, si j'avais une phrase complète et qu'on qu m'apprenait les. Parce que le, les sons, je, les fais, je peux les faire, les sons. Avec le. le, 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 le tu sais, le, avec ah. la gorge et tout ça. Le. Ça peut être très raciste ce que tu fais, mais ouais, c'est. Même... Ce que je dire. L'arabe a des bruits que l'anglais euh, n'a pas, que le français n'a pas, et, et je peux les faire les bruits. C'est juste que je suis nul. Euh, il dit non, demain il y aura des abricots. Bukram mishmish Ah non, demain il y aura des abricots. Euh, pas si ça, ça veut dire que t'inquiète. Euh, je sais pas ce que cette expression veut dire, <laughs> mais je crois. Que... Attends, laisse-moi. Je suis dans les images. Hein. Je crois ce que ça veut dire, c'est que hey, ça en ce moment. T'inquiète demain il y aura des abricots. T'inquiète. Right. Là c'est on est on est pense en galère. À demain. Pense on est à demain. en galère maintenant. Mais t'inquiète, demain, mais demain ça ira mieux. Voilà. Demain Il y a de l'espoir. Demain il y aura des abricots. C'était quoi la phrase Bukra filmishmish. Ouais, bookera, <muchem> bookera, Andrew Robinson, est-ce ouais. qu'on est est-ce qu'on est est-ce qu'on est, est, qu est sur le Ça se trouve qu'il est en train d'inventer de la merde et euh, du coup euh, on est en train de dire un truc hyper raciste. Je vais le taper dans Google juste pour être sûr. Non mais je pense que c'est ça. Phil Mishmish. Mishmish. Eh, uh, c'était dans les recherches. Tomorrow, when the apricots bloom. Ok. Merci uh, Andrew. Ah, c'était un film en 2019 apparemment. Quand les poules auront des dents, le film s'appelle en français apparemment. Mm. Donc en fait, c'est rien à voir. il y a même un article Wikipédia de Phil Mishmish. It's <laughs> <is> an Arabic <laughs> term meaning the time of the apricots or when the apricots bloom. Which is taken non literally meaning the equivalent. When pigs fly. Donc, c'est pas du tout ça. C'est genre quand les poules auront des dents. Genre, euh, ouais, 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 euh, Paul, euh, tu vas réussir euh, à faire euh, un film à Hollywood. Ouais, ouais, ouais. Boukara film mishmish. filmishmish. Ah, c'est intéressant. Putain, Andrew Robinson. Thank you. Yes. Good work. <inaudible> C'est trop bien, j'adore beaucoup <coughs> fait le Mais il y a de l'espoir, je crois, dans, dans cette expression. Il y, y a beaucoup d'espoir. Euh, alors, on a fait l'anglais, on a fait l'arabe. Ah ouais. Souvent, enfin, quasiment toutes les semaines, on ouais. fait du québécois aussi. Ok. Euh, mais comme tu es québécois. Ouais, ouais. Les expressions, ça fonctionne un peu moins parce que t'es québécois, tu les connais. Par contre, tu connais la personne qui nous fait faire les expressions québécoises, c'est Rolly Assal. Ladies and gentlemen, Rolly Assal, qui est un pote à nous deux. Je vais mettre le jingle, même si on ne va pas apprendre le québécois, parce que le québécois... Fuck it, jingle! Québécois, ça va Uh, ladies and gentlemen, uh, Rowley, Reda se connaissent uh, depuis depuis longtemps aussi, uh, ouais. travaillent beaucoup ensemble. Donc on se connaît tous les ouais. trois. En vrai, moi je t'ai connu. On n'a même pas raconté ça. Que moi je t'ai connu au début quand t'as fait ma première partie à Montréal. Ouais, ouais, ouais. Uh, Quand j'ai fait mon premier show à la, au théâtre Sainte-Catherine. Exactement. Ouais. Uh, et du coup, uh, Rowley m'avait beaucoup, ouais. uh, bah, beaucoup parlé de toi. Et donc du coup, je me suis dit. Rowley aussi m'avait beaucoup parlé de toi. Et j'avais dit, écoute, ouais. moi. Uh, Anglais blanc qui fait un spectacle anglais français au Québec. Je mets deux Arabes en première partie, ça va être la fête. Uh, ladies and gentlemen, let's bring Rolly à to the show. Rolly, t'es où Attends, ah, merde, j'ai oublié. Parle pas Rolly, il faut qu'on mette les, les écouteurs parce que du coup sinon ça va. Ça Test va des, audio. Des on Écoute, dessus. À, à ta gauche, euh, Redin, ouais. t'as des écouteurs parce que sinon ça fait un écho et c'est horrible. Euh, donc on va mettre ça. Est-ce que, est-ce que tu m'entends, tu t'entends? Oui, oh, oui, je m'entends. Parfait. Roll yourself. Comment t'entends? Yeah. Yes. On m'entend tu Tu m'entends bien? Ouais. Yeah. <laughs> Super. Café. Ah, t'es au café. Hey, la photo derrière toi, t'as mis la photo de Reda en fond d'écran, c'est sympa, c'est mignon. Cool, cool. C'est belle petite face. What's going on, Rolly! Ben, pas grand chose, là. Euh, québécois, québécois. <laughs> Deux Québécois qui parlent québécois. <laughs> en tout cas, en tout cas, moi je. Je sais pas. Excusez-moi, je. <laughs> euh, pour Et vrai, quoi? vraiment, tu veux rapporter ça là, là? Bro, ça se fait pas, man. Je suis désolé. De quoi euh, tu parles, les... man? Bro, tu parles pas comme ça à Laurent. Pourquoi tu dis des choses de... comme ça? Attends, Genre, moi, attends, appelé, attends. Moi, je t'ai appelé toute la journée. Toute la fucking journée, je t'ai appelé, tu m'as pas répondu. Dude, il m'a dit que c'était toi qui avais dit les, les choses. Dude, euh... je n'ai rien dit à personne. J'étais au bordel. Le gars parlait avec Marie-Ève. Moi, j'ai rien dit à Laurent. Fuck all, là. Fuck you, man. Arrête ça n'a ça pas rapport, là. Moi, je ne sais même pas, pas qui. Te... Gens. Moi, je parle pas dans le dos des gens. Non, man. non, attends, moi, attends. attends. Toi, moi, je ne sais je même pas dans... qui t'a dit ça. Je Mais sais même Laurent. pas qui t'a dit ça, dude. C'est fucking Laurent, man. Mais j'ai pas parlé à Laurent, Chris. J'ai rien dit à ce petit gars-là, man. T'es sérieux, mon gars, man? Vraiment, on sérieux? va rapporter ça! Alors, on se parle après, dude, c'est pas grave! Non, on, on se parle, s parle pas. après! On se parle plus! On se parle plus, mon gars! Moi, moi, moi j'étais là pour toi, j'étais toujours aidé, tu sais quoi? Regarde, regarde. Dude! Sérieux? Vraiment, là, on va faire ça! Quoi Calice de. Bro! Bro! J'ai pas parlé à Laurent! Montre-moi ton téléphone, donne-moi ton téléphone. Tu sais quoi? vraiment dire non. à toi c'est un prank. Non, mais c'est sûr, mais dude, c'est pour ça que je voulais voir ton téléphone parce que je me suis dit, je me suis dit, hey, hey, c'est sûr qu'ils se sont parlé avant parce que dès que j'ai par... dit Rolly, venait, je voyais ta fâche, j'étais de merde, ça se trouve qu'il y a vraiment de la merde, ça se trouve que vraiment il y a eu de la merde entre eux, et je suis pas au courant. Et du coup, ça a commencé. Et quand vous avez lancé Laurent et Marie-Ève, j'étais là, non, 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 non. C'est pour ça que j'ai dit, monte-moi ton téléphone, parce qu'à mon avis, vous êtes envoyé des textos en mode, ouais, on fait un prank à Paul Taylor. Putain, je suis en train de transpirer ma race. Pour Pourrais j'aurais pu continuer à deux minutes de plus. Il transpire. Ah, il transpire ah oui. le gars! Mais moi, j'étais pas bien. À un moment donné, j'étais pas bien parce que j'étais comme Yo, c'est son, son live. Et les gens vont croire qu'ils disent qu'est-ce qui se passe. Mais on aurait pu continuer. Ah, c'est-tu c'est Mais je dis, hey, les dit, les gens, ils ont adoré. Moi, je suis sûr fucking legends. Mika Luna, le malaise était palpable. Merci, Mika Luna. Euh, Cédric qui a dit j'ai pas cru une seconde. Il <laughs> euh, y a Raquel Rigal qui dit vanille fraise de ouf. Ouais, quand je, suis de, je deviens très chaud, je suis vanille fraise, c'est-à-dire euh, rose et blanc. Euh, rose et blanc, vanille Mais fraise. c'est ce que me dit tout à l'heure euh, Rolly. En fait, il va pas. En, en fait, moi j'avais peur. Que tu paniques et que ça, ça fuck ton live. Ouais. Mais. <laughs> mais. Euh, Rolly m'a dit non, il va juste devenir rose. <laughs> <laughs> J'ai dit... <laughs> vraiment euh, dit ça. J'ai dit pour vrai, rose. il va. T... Il va devenir rouge, puis il va essayer de faire une blague nulle à chier, malaisante, genre comme Hé hey, les gars, vous savez, on peut faire des expressions plus québécoises, hein, un truc de merde. <laughs> demande puis... ton téléphone, demande ton téléphone. <laughs> c est, c est bon tu tu qu ce que Reda m'a dit, du... Paul, oh. Paul Reda, il m'a dit Ouais, mais mettons qu s... que notre jeu d'embrouille fonctionne bien et que Paul décide de prendre ton côté à toi parce que c'est ton ami à toi, mais c'est pas... pas mon ami proche, puis s'il commence à te défendre, je dis Pour vrai Paul va défendre personne. <laughs> il va juste écouter comme une marde, devenir rouge et attendre de voir ce qui va arriver. Genre. <laughs> oh. Oh, mais, mais, mais. Eh, Nick Jones, il dit, uh, You guys have found Paul's uh, Achilles heel. Ça, c'est une bonne expression. Mais je ne sais pas si ça existe en français. Le, oui. la, la, le, comment tu dis ça Le talon d'Achille Achille, Achille, Achilles heel. Ouais. Achilles, Achilles heel. Le, Achille. le, le, le talon d'Achille. Le, le talon d'Achille, ouais. Euh, ouais. Genre, si t'as trouvé le talon d'Achille, c'est comme le kryptonite de quelqu'un. Yeah, you've just found. Vous avez vu, c'est quand, quand les trucs deviennent très malaisants, moi, je suis genre... Mais il transpire pour de vrai. Mec, attends. attends. <laughs> non, mais non, non mais il y a de la buée dans les lunettes, le mec. Ah, attends, attends, viens, viens. <laughs> mais c'est pas... j'ai... En fait, j'ai essayé de te pas, regarder... Pas Hein? Reda, j'ai essayé, essayé de te regarder et pendant un instant, je me suis dit, je vais regarder Paul parce que je le regarde pas. J'ai regardé Paul, mais Paul, j'ai vu, j'ai vraiment vu le malaise dans tes yeux pendant un petit moment. Là. Que, tu te posais la question, what the fuck is happening now? Alors, tout au début, oui, parce que je me suis dit, quand t'es arrivé, je voyais <laughs> la tête que lui était pas content. Et pendant une seconde, je me suis dit, fuck, ça se trouve que il euh, y a eu une merde entre vous deux récemment. Je sais pas, parce que t'es arrivé en France, Roly, il était en France, il a fait des spectacles, ouais, ouais. et toi, t'as. Je sais pas, je me suis dit, oh fuck, <laughs> c'est. Il y a un truc d'arabe québécois qui s'est passé en France. Et, euh, et, et là, ça. Et le, et le petit blanc au milieu des deux, des deux arabes, j'étais là, oh Jesus Christ. <laughs> Mais après. Quand ça a commencé à parler de. Drôle. Ouais, euh, j'ai parlé à Laurent et Marie-Ève du, 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 du bordel ou je sais pas trop quoi, je fais. It's bullshit. C'est là où je commence à rigoler et c'est pour ça que je t'ai demandé ton téléphone. <laughs> mais bien joué, les gars. Honnêtement, euh, bien joué. Mais, mais non, enfin, en fait. Euh, mais non, moi j'étais mal. Moi je, je voulais continuer, mais j'étais mal. Puis après, à un moment donné, je, 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 je pensais rire. Je, je m'en allais rire. C'est pour ça que je suis parti. <laughs> tu t'en allais rire? Mais on est bon les deux. Euh, en fait, euh, moi et Reda, on, a, on avait commencé avant la pandémie à faire, euh, à faire de l'impro, de l'improvisation, parce que comme, comme Reda le dit dans son titre, il est humoriste, auteur, euh, improvisateur, cuisinier, chef, balayeur. <laughs> fait... Je suis très cuisinier. Ouais, chef balayeur. Ouais. Ouais. Je suis chef balayeur aussi. Euh, ben oui. Qu'est-ce qu'il y a Il fait tout. Donc, euh, on avait commencé un peu à pratiquer notre jeu ensemble euh, avant la pandémie, puis on avait quand même une on a quand même une bonne cohésion en fait ouais tout à fait tout vous à avez fait. fait beaucoup de, de trucs ensemble euh, des vidéos et des trucs comme ça ils sont hyper simples je me rappelle plus de, sur quel compte euh, Instagram c'est si c'est celui de Rolly, le tien genre le truc euh, <coughs> des médicaments dans le dans la pharmacie ah oui la pharmacie c'est dans les deux je pense qu'il y a dans ouais le, il est sur les deux si tu... sur euh, je... l'Instagram Rollie ouais. ouais je vais mettre l'Instagram de Rolly sur l'écran Pe peux tu mettre la vidéo peux tu peux tu la faire jouer cette vidéo parce que moi, je l'aime beaucoup. Reda, je, je te le dis, je te le redis, souvent quand on me parle, ça peut arriver des fois qu'on parle de toi et moi, on, on revient souvent sur cette vidéo qu'elle était vraiment bonne, en fait. C'est vrai parce qu'on a tous les deux euh, des têtes de pharmacien. On a vraiment <laughs> tous les deux des sur têtes toi. de pharmacien arabes. Ouais, pas faux. Arabe. Enfin, tout, ouais le, le petit intellectuel euh, pharmacien. Euh, on, euh... A fait, on a fait deux trucs. On a fait deux trucs qui ont quand même été un peu virales. Le truc de pharmacie et... Souhaiter Joyeux Noël. Te rappelles-tu ah, quand on a souhaité oui. Joyeux Noël ça, ça, je pense que c'est... Je ouais, crois ça, que c'est la vrai. fois où j'ai fait une vidéo et ça m'a marré le plus, ça m'a fait le plus rire. C'était cette fois-là. La Attends. fois de la vidéo de Noël. Mais on l'avait improvisé en plus. On n'avait pas... On, on, avait avait... Écrit... Ben, on avait écrit quelques blagues, quelques a. Euh, puis on, on a parlé, improvisé ouais. sur le jeu. Puis... Euh... Ah, non, mais, mais pas, pour vrai. Euh... Pardon, oh, bon, je crois je... que... Les... Je... je viens de voir que le téléphone était... Était en mode euh, on entend les, les bruits en même temps. Donc je sais pas si les gens ils ont entendu. J'ai trouvé la vidéo. Euh, alors pour la mettre, je vais, il, il va falloir que je réorganise les fenêtres. Euh, parce que du coup, euh, ça peut pas. Attends, si j'ajoute mon téléphone, je vais voir ce que ça donne. À l'écran, si je fais plus. Ah ouais, mais c'est hyper petit. Euh... Ah non, c'est bon, ok. Non, bah, ça marche. La... Ouais, ouais, donc. Euh... Mets le non. son à fond là. Je vais mettre le son à fond. Euh, play. Tu là au début là euh, Je la remets au début. Euh, C'est sur la page Instagram de Sound. Attends, je vais voir si ça fonctionne. Je suis pas sûr. Hein. Uh, let's check the sound. Test. t'entends. Hey, you, mon crayon non, non, il faut le son. Oui, euh... oui, ouais, il y a le son, dude. On entend, nous. Ah, vous vous entendez Ah, bah, nous, on l'entend pas. Dans, dans le chat, est-ce que vous avez entendu la vidéo ou pas uh, Ouais, attends, je, 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 je le mets. T t hey, you, mon crayon, moi. Ah, j'allais vais aller te chercher. Moi, j'entends. Toi, t'entends. Tu... Nous, bien, on l'entend pas. Merci. Sound OK. Tout le monde dit que ça fonctionne, en fait. C'est OK, parfait. Bah ben, écoute, nous, euh, on va aller se faire enculer, hein. oh, oui. Toi, tu l'as la collé, la vidéo. <laughs> ouais. Moi, je m'en fous. Allez, je mets la okay. vidéo. Attends, Hey, où mon crayon, moi Fais semblant de rire. Ah, je vais aller te chercher. C'est ton jus Ah, merci. OK, puis mon crayon. Hein C'est le crayon. Le TDAH est un trouble de déficit de l'attention qui touche des centaines de milliers de personnes. Effectivement. Et le Concerta est un médicament qui permet d'améliorer la concentration et permet de diminuer. Attends, bouge Mais... deux comportement impulsif. Okay. On l'a refait. D'accord. Le trouble de déficit. De ah, il y a une araignée, que... euh... ah, où ça Tu là ah, Juste avance un peu, s'il te plaît. Tu le tué? Elle est tombée par terre. Pour vous faire comprendre ce que les gens atteints de TDAH vivent au quotidien, imaginez que votre attention est constamment détournée par un stimuli extérieur, comme par exemple. Votre attention est présentement concentrée sur ce stimuli, et vous n'avez même pas écouté ce que je dis en ce moment. La preuve. Chuck Norris en speedo fait de la motoneige avec Natacha Saint-Pierre. Vous voyez? Hey, je peux s'en avoir, s'il te plaît? Man, t'es correct? <laughs> il est possible de bien vivre au jour le jour au travail avec le TDAH. Prenez par exemple notre caméraman. Malgré son déficit de l'attention, il est quand même capable de bien faire son travail. Hey, Max, focus. Hey. Max. Huit, neuf. Prête, pas prête, j'y vais. On va te trouver! On peut-tu faire la vidéo, s'il vous plaît? Oui. Le TDAH est beaucoup plus courant que vous le pensez. Nous en sommes nous même mai matin. Mais grâce au concertant, rien n'a paru. Bro, c'est pas du concertant. Ah, oh, c'est pour ça que je suis bandé de même depuis le début de la vidéo! Mais la, la blague de fin, elle est hilarante en fait. Comment ça je, euh, je, Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu, je me souviens pas du truc, mais je sais pas pourquoi ça fonctionne pas parce que j'ai tellement de trucs qui se passent. Ouais. Mais, euh, mais, euh, mais c'est cool. Ouais, on, a, on a beaucoup écrit ensemble, puis on s'est beaucoup euh, entraînés en fait. Au début, on. on euh, en fait, c'est ça, on, on, a, on a comme une collaboration euh, frère, de, de, de fratrie, euh, relié et moi. On est des. des ouais, ouais. Voilà. Puis on a souvent euh... pris notre douche ensemble et tout. Vraiment, <laughs> j'ai vu son zgeg, comme on dit ici. <laughs> as vu, mon <laughs> Ça, ça doit <laughs> être un mot arabe aussi, non Ouais, ouais, sgeg, c'est La première, absente. ben, j'ai jamais su, en fait, la première fois que j'ai entendu le zgeg, c'est Lamine, l'humoriste Lamine qui le ouais. qui, qui dit ouais. sgeg dans un... Et j'ai compris que c'était une bite, en fait. Ouais, ouais. Qui vient du mot zebi qui veut dire... Euh, mais, mais oui, oui, oui. De... non non mais en gros euh, <laughs> on va pas, pas c'est allé là dessus mais, <laughs> mais euh, non franchement on a beaucoup travaillé ensemble et puis euh, on s'aime beaucoup euh, et moi c'est une personne que j'aime que je trouve très très drôle et puis que j'aimerais. En fait, je ne voulais même pas que tu repartes au Québec. Je voulais que tu restes quand on s'était vu. on ouais, s'était vu la semaine dernière. Enfin, il y a deux semaines. Il y a deux semaines. Il était là, il y a deux oui. semaines. Il était là, là. était là il y a deux semaines. Si, tu étais là. Si, puis là, tu es rendu euh, sur là, maçon. j'ai crissé mon camp. Puis, euh, es sur maçon. ma. Ma crissement va revenir. Mais je vais revenir. Je reviens bientôt. 10 octobre, 11 octobre. 10 octobre, oui. Oh. 11 octobre. Attends-moi, attends-moi. Euh, parce qu'on a fait la promo de ton spectacle le 19 octobre au Barbès, mais ouais. il faut aussi faire la promo de, du spectacle de Rolly Asal pour ceux qui habitent à Montréal. une date. Il reste une date. Il reste pas beaucoup de billets. Ça. On a vraiment eu du fun les trois dernières dates. Donc il reste ce vendredi le 24 septembre au Terminal ouais. Comedy Club. Et c'est Reda Sawi qui fait ma première partie. <laughs> ouais, en, en Zoom. <laughs> en, en Zoom. Face, <laughs> en FaceTime, mon coriès. Yes. Euh, allez voir les billets sur RollyAssal sur Instagram. Euh, parce que euh, ça vaut vraiment le coup. Et puis ouais. euh, du coup, euh, en France, peut-être tu trouveras euh, un créneau pour faire une heure ici ah, aussi. Euh, vu que Reda ouais, ben là il va faire son heure euh, bientôt. Bah, du coup, euh, peut-être que. Peut-être que, ouais. peut -être que ça, ça va devenir euh, le lieu à Paris pour faire euh, pour faire de l'humour euh, pour vous, j'espère. J'espère aussi. Bah, j'espère aussi. aussi. Puis euh, j'adore Paris euh, pour plusieurs raisons. Puis le stand-up à Paris, euh, j'aime beaucoup. Puis le fait que vous deux vous êtes là, bah, ça me donne le goût de, de revenir plus longtemps. Nice. Nice. Dude, on a réussi notre stunt quand même. C'était vraiment bon, hein. <laughs> Je pense. Je ouais, là, là je me suis calmé un petit peu, mais je transpire toujours. Mais en vrai, tu je transpire. C'est parce qu'en fait j'ai des écouteurs et euh, c'est pour ça que je, je, en vrai, de vrai, dans la vraie vie, je me suis acheté une belle paire d'écouteurs oh, ouais. euh, Bose. Bose, euh, c'est pas cela, mais ça ça coûte 20 euros, c'est très cheap, mais ça, ça suffit pour s'entendre se, et entendre le truc. Mais en vrai, donc je me suis acheté des Bose qui coûtent genre 300 oh, euros ouais. over the head, mais je me suis rendu compte euh, dans le métro et tout ça, je ne peux pas, je transpire, comme je suis en train <laughs> de faire, donc j'étais obligé de m'acheter euh, des AirPods euh, pour mettre dans oh, les oreilles. Ouais. Puis en plus avec des lunettes et le masque, c'est compliqué d'enlever un masque quand as ça. À part... Et donc je transpire, euh, c'est horrible. Je comprends, je comprends, mais ça c'est, tu transpires parce que tu stresses, parce que. Je sais pas, je crois que c'est un mélange de stress, un mélange d'adrénaline. Oh, euh, ouais, quand ouais. je monte sur scène, euh, à la fin de mon spectacle, je suis trempé, euh, ah, ouais, 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 full ouais. trempé. C'est parce que je suis pas très en forme aussi. <laughs> je, je fais pas de sport, donc mon sport c'est de. De stresser. D'être euh, mal à l'aise. <laughs> Tu sais, on rigole avec ma femme parce que c'est très rare que j'aille à la crèche ouais. pour récupérer la petite, même si je suis à la maison, parce que je suis en, en anxiété totale de ma vie. Parce que déjà, je rentre et, euh, et j'ai le masque et il fait 3000 degrés dans la crèche ouais, ouais. par rapport à l'extérieur. Et donc, je transpire déjà, mais l'interaction avec les femmes de la crèche, où elles vont me dire des mots que je comprends pas, parce que c'est... <laughs> c'est du vocabulaire de bébé et je c'est moi je, je transpire c'est horrible c'est c'est dégueulasse as-tu déjà tenté la, la méditation guidée sur euh, youtube non et ouais, ça il faut le tenter hein. la méditation guidée la méditation guidée ouais. moi je l'ai tenté j'ai commencé euh, méditation guidée euh, voilà justement pour euh, calmer le stress et tout ça après ça, je suis allé dans le deep hein. rencontre de ton ange de lumière. <laughs> c'est voyage, voyage assez roulé, bon, ton ange de lumière. Ah, ouais, c'est Roulis. C'est ah moins ça. Mais, euh, mais non, pour vrai, c'est c'est cool, avant les shows, ça aide vraiment. Hein. Ouais. Les méditations, bah, je vais tenter tenté des cool. petits trucs euh, comme ça. Euh, euh, Qu'est-ce que j'allais dire Il y avait un, une question. Euh... Ouais, par rapport à Rowley, tu viens euh, euh, pour mon anniversaire. Le... On en parlait juste avant d'aller live. Le, ouais. le, le live live, c'est-à-dire que <coughs> ce Happy Hour Live, c'est tous les lundis à 20h. Bah, ça se trouve que mon anniversaire cette année, c'est un lundi. Euh, et à 20h, au lieu de faire mon live dans le studio ici, je vais le faire avec un vrai public. Euh... Ça va être incroyable. Moi, j'y serai. Hein. Bah si tu veux y être avec Moi, plaisir. Serai. Et en fait, je crois on que ça va avec être... Avec Rolly. Bah ouais, Rolly, il vient exprès pour ce truc-là. On ferait un free for all euh, où il y a peut-être euh, peut d'autres gens, d'autres gens qui ont déjà été ouais. dans les lives, qui vont être dans le live. Je sais pas. Donc, et je sais pas encore où ça va être, mais on est en train de travailler dessus très fort. Et euh, happy hour live, live, le 11 octobre euh, 20h. On, on va retrouver Rolly en direct, Lola. Et euh, peut-être toi, aussi. Lola ici ouais, ouais. Pas, pas Lola et là, parce que mais ça va être dans un théâtre ou dans un bar. mais là bas, euh... là -bas là. C'est le 11 octobre, 20h, lundi. Uh, it's gonna be crazy. Legendary. Yeah. Legendary. Um, j'ai hâte right, de vous voir, les amis. Moi aussi. J'ai mis euh, de euh, deux trucs. Pour ceux qui veulent, j'ai mis la vidéo de Noël de moi et Reda. J'ai mis le site internet en quelque part dans le chat. Je sais pas si ça fonctionne. J'ai mis le nice. lien. C'est sur YouTube. Relier Reda les liens, sur YouTube. Je suis pas sûr que Je crois que YouTube, il dégage les liens euh, quand tu mets... Euh, mais taper euh, 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 Noël. Relier ben, Reda. Allez, Rolly et Reda, c'est soit ouais, sur ouais. YouTube, mais c'est sur Instagram, j'imagine aussi. Donc, euh, allez, voir, euh, allez voir leur travail. La phonétique, ensemble. elle est belle, non La phonétique Rolly et Reda, Reda. c'est cool, Rolly non Reda. Rolly et Reda. Rolly et Reda. Rolly et Reda. Rolly et Reda. Reda. Le, 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 le Rolly duo arabo-québécois. Fuck, <laughs> Fuck Thelma et Louise, tu sais. Fuck Thelma et Louise. <laughs> Rolly et Reda. Uh, all right, dude. Well, thanks for being here. Uh, et puis, on se Avec voit plaisir. bientôt. La semaine prochaine, en tout cas, yep. lundi 20h. Je t'embrasse, bro. À la prochaine. Moi aussi, je t'embrasse. Merci d'avoir fait ce, ce sketch bye. de malaise au début. C'était très drôle. Ça aussi. me fait plaisir. T'as pissé dans tes culottes, c'était drôle. <laughs> All right, dude. See you later. Ciao. Ciao. Hey, uh, ladies and gentlemen, round of applause for Rolly. <laughs> Putain, c'était vraiment drôle ce que vous avez fait là. <laughs> What the fuck, man. <laughs> uh, J'ai eu peur pendant quelques mais secondes. Nous aussi. Nous... Mais on aurait pu aller plus loin. Je te le jure qu'on aurait pu. Ouais, non, mais mais je moi, moi plus... je te connaissais pas vraiment comme Rolly. Mais moi, j'avais peur que, que ça ne se passe. passe vraiment pas bien, que tu sois vraiment très, très, très mal à l'aise. En vrai, plus loin, ça aurait... Parce qu'au bout d'une minute, je, je, je savais déjà que c'était un truc. Donc, je crois que vous avez été peut-être trop loin dans le -être, truc. être ouais. Parce que je me suis dit, c'est impossible qu'ils vont être énervés comme ça. Mais si c'était... Euh... En <laughs> fait, si vous aviez... Regarde, est -ce que, si vous aviez commencé la conversation en mode normal, mais énervé contre les uns et les autres, et « Ouais, salut, Paul, ouais, ouais, Reda, ouais, cool. » Et que j'avais dû alimenter la conversation moi-même en mode. Ouais, ouais donc racontez-nous comment vous vous êtes connu. Et ben c'était. Qu parce début, que si ouais. vous, quand vous vous êtes engueulé, je me suis dit, alright, this is bullshit. <laughs> Mais le tout début, c'était compliqué. Oh, dude. <laughs> um, c'était cool. Ladies and gentlemen, oui. euh, ça nous amène à la fin de la première partie euh, de ce Happy Hour Live avec Reda Sawi euh, ce soir. Euh, comme tous les lundis, euh, ça se passe en deux parties. La première partie, elle est gratuite sur les réseaux sociaux YouTube, Twitch, euh, Facebook. La deuxième partie, euh, qui est une partie beaucoup plus intime, euh, parce qu'il y a moins de gens, c'est pour les gens qui me soutiennent et qui me suivent sur Patreon. Dot .com slash Paul Taylor, pa patreon.com slash Paul Taylor. <laughs> euh, et du coup, euh, le principe de Patreon, c'est une plateforme où les artistes comme nous, on peut gagner euh, de l'argent en faisant notre travail. Euh, J'ai découvert ça pendant la pandémie quand il euh, n'y ben, avait pas... Notre boulot normal de stand-upper, ça n'existe pas. Donc j'ai créé ce truc-là. En gros, le principe de mon Patreon, c'est que vous me payez des bières, que ce soit une demi-pinte, une pinte ou trois pintes. Euh, et pour tous les trois, vous avez accès à la deuxième partie euh, du live d'aujourd'hui mais non seulement vous avez accès à la deuxième partie du live d'aujourd'hui mais vous avez accès à la deuxième partie de tous les autres lives qui, sont, qui se sont déjà déroulés euh, du dernier, de la dernière année en vrai quasiment donc euh, Patreon pour 3 euros euh, vous avez accès à la deuxième partie ce soir euh, bah, c'est là où euh, on rentre dans l'intimité parce qu'il y a moins de gens euh, moins de gens qui posent des questions et puis euh, comme ça vous, a, vous, vous allez savoir la vraie vie de Reda Sawi oui. euh, pendant ce live donc euh, rejoignez-nous sur Patreon.com Slash Paul Taylor. Euh, pour les gens qui nous quittent maintenant, merci d'être là. Mais avant de nous quitter, Reda, on te trouve où soit ton réseau social préféré C'est là... où est-ce que tu mets tes trucs euh... Euh, Ouais, je suis très actif sur euh, Instagram. Reda Sawi euh, officiel. Le <laughs> Red... officiel, J'étais très très jeune, donc euh, <laughs> voilà. Je, je vais, je vais le changer bientôt. Mais c'est Reda Sawi officiel. Euh, c'est là que je partage mes blagues, mes idées. Euh, et puis aussi sur euh, Reda Sawi euh, sur Facebook. Voilà. Sur Facebook aussi. Sur Facebook. Euh, y est. Ok. Reda oui, sur Facebook, sur Instagram. Voilà. Go follow Redda. Allez voir son spectacle le 19 octobre au Barbès Comedy Club. Et le yes. 20, venez le lendemain euh, au mien, euh, au Grand Rex. Et puis, ce euh, sera avec plaisir. Merci d'être venu. Merci euh, à toi. Et même. puis, euh, euh, on va faire pipi, on se reprend un autre verre. Et puis, on rejoint oui, oui. les gens sur Patreon dans 5 minutes. Uh, bisous, everybody, merci. thanks for being here. Lundi prochain, on se revoit pour un autre live avec un autre guest. Bisous, bye! On merci beaucoup. Thanks for watching Paul Taylor's Happy Hour Live. See you, dickhead, soon for another episode.